Let's turn to Matthew 25. Allons dans Matthieu 25. I received a question over lunch. Et j'ai reçu une question après le lunch. Which I want to try to briefly answer. Je vais essayer d'y répondre rapidement. But the question is not as straightforward as some people might think. Mais la question n'est pas aussi directe comme certains pourraient le penser. Now this question has been answered in our classes already. Et cette question a déjà été répondue dans notre classe déjà. So if people are interested in a more comprehensive response, I'd recommend that they watch our classes. Et si les personnes veulent avoir une question un peu plus compréhensive, je les invite à regarder à la classe. Should be Matthew 25. Nous sommes dans Matthieu 25. Verse 1. Le verset 1. Puis, le royaume du ciel sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au devant de l'époux. First thing I want to identify is that the kingdom of heaven is identified as 10 virgins. La première chose que j'aimerais que nous identifions, c'est que le royaume du ciel est identifié à 10 vierges. In the English, this verse begins with the word then. En anglais, ce mot commence avec le mot puis. Which means at the same time. Ça veut dire en même temps. So, chapter 25 is happening at the same time as a previous story. Donc le chapitre 25 commence au même temps qu'un chapitre, qu'une histoire précédente. And of course that previous story is chapter 24. Et bien sûr, cette histoire précédente se trouve au chapitre 24. What you see in chapter 24, ce que vous voyez au chapitre 24, beginning from around verse 35 to 37, les versets 35 à 37 du chapitre 24, is there are two groups that are mentioned. Il y a là deux groupes mentionnés. In a number of different circumstances. Dans des circonstances variées. Verse 38 talks about the flood. Le verset 38 nous parle au sujet du déluge. And verse 40. Et le verset 40. Talks about specifically these two groups of people. Nous parle particulièrement de ces deux groupes de personnes. Mm-hmm. Verset 40. Alors deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. So you see, there's these two groups. Là, il nous est montré deux groupes. And this theme of two groups is going to be carried into Matthew 25. Et ce thème de deux groupes sera conduit, poursuivi dans Matthieu 25. If you drop down to verse 45. Et si vous allez jusqu'au verset 45. We'll just do the first half of this verse. On va prendre simplement la première moitié de ce verset. Qui donc est le serviteur fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur sa maisonnée. So it talks about the faithful and wise servant. Là, il nous est fait mention du serviteur fidèle et sage. This concept of a wise servant is taken into Matthew 25. Et ce concept-là du serviteur sage est repris dans Matthieu 25. If you drop down to verse 48. Et maintenant, si nous allons au verset 48. The first part. La première partie, mais si ce méchant serviteur dit en son cœur. Talks about an evil servant. Là, il nous est fait mention d'un serviteur méchant. So there are these two women who are grinding. There is these two servants. Il y a ces deux femmes là qui moulent du blé. Il y a ces deux serviteurs. And these two groups. Et ces deux groupes. Are being identified as the people who are living just before the second advent. Sont identifiés comme les personnes qui vivent juste avant la seconde venue. And the second advent is shown in Matthew 24, verse 30. Et le deuxième avènement est montré dans le même chapitre au verset 30. Last part of the verse. Le dernière partie du verset. Et elles verront le Fils d'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. So the coming of the Son of Man in the clouds is second advent. Donc la venue du Fils de l'homme sur les nuées est là, représente la seconde le second avènement. And in this history, just before his advent, you identify these two groups. Et dans cette histoire, jusqu'avant sa deuxième avènement, vous identifiez ces deux groupes de personnes. So in Matthew 25, it says then. Dans Matthieu 25, il nous est dit puis. Just at the end of the world, before the second coming. Juste à la fin du monde, avant la deuxième venue de Christ. The kingdom of heaven here on earth. Le royaume du ciel ici sur terre. Is identified as composed of 10 virgins, 5 wise and 5 foolish. Est identifié comme étant 10 vierges, 5 folles et 5 sages.
We're all familiar with Matthew 25. Nous sommes tous familiers avec Matthieu 25. These 10 virgins, ces 10 vierges, are essentially bridesmaids who are attending a wedding. Ce sont donc des vierges qui vont aller à un mariage. And their job is to stand outside of the bride's house and await the bridegroom. Et leur travail consiste à rester à l'extérieur de la maison de l'épouse pour attendre l'époux. And when he was approaching, they would give a cry to the bride so that she would be ready to meet her husband. Et alors que l'époux va approcher, ces vierges doivent lancer un cri à l'épouse pour qu'elle puisse être prête et sortir voir son mari. Verse 5. Et verset 5. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. We know there's a delay in the bridegroom during his delay. Nous savons qu'il y a un retard et durant ce retard, l'époux allows time for these virgins to sleep. Permet donc que ces vierges puissent dormir. And in verse 6, mais au verset 6, et à minuit, il y eut un cri. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre. We're told that at midnight, someone else does their job for them as they see the bridegroom approaching. Et à minuit, on voit là qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait leur travail parce que toutes les vierges dorment. So most Adventists, la majorité des Adventistes, recognize that these 10 virgins reconnaissent que ces 10 vierges are a symbol of God's church, sont un symbole de l'Église de Dieu, just before the advent of Christ, juste avant l'avènement de Christ, and specifically the Millerites, et particulièrement les Millerites. So the question I was asked, la question qui m'a été posée, is if the Millerites were the 10 virgins, who is the person who's given the cry? Si les Millerites étaient les 10 vierges, qui est donc cette personne qui a donné le cri? But this question is not a new question. It comes up over and over again in prophetic studies. Et cette question n'est pas nouvelle. Elle revient à chaque fois dans une étude prophétique. The simple answer. La réponse la plus simple. Is that people don't fully understand how to explain or understand parables. Parce que les gens ne comprennent pas comment comprendre et expliquer les paraboles. And if we take all this symbology, et si nous prenons tout ce symbolisme to its utmost literal conclusion, dans sa conclusion la plus ultime, the parables begin to break down and don't work. La parabole commence à se briser et là, ça n'a plus de sens. So I want to just, direct your attention. Donc je voudrais juste diriger votre attention to a couple of quotes sur certaines citations. Most of these are not available in the French. La majorité d'entre elles ne sont pas disponibles en français. So the first one, la première, is written by James White. Est écrite. He's the editor of a magazine. C'est écrit. Il est James White, l'éditeur donc d'un magazine. It's the Advent Review. C'est l'Advent Review. And it's written in 1850. Il est écrit en 1850. So in 1850. En 1850. James White is going to comment on the Millerite history. James White va commenter sur l'histoire des Millerites. And what he's going to do? Et ce qu'il va faire? He's going to take a statement that was written in 1844 and reprint it. Il va prendre une citation qui a été écrite en 1844 et la réimprimer. So we're just going to briefly paraphrase this statement. On va paraphraser rapidement cette citation. The midnight of that time. Le minuit de ce temps was July 20th. Était le 20 juillet. And when he means that time, et quand il dit ce temps, he means the last 6 months of the Millerite history. Il dit les 6 derniers mois de l'histoire des Millerites. From April 44 to October 44. D'avril 44 à octobre 44. And halfway into that history, et au milieu donc, ou à mi-chemin de cette cette période, was cette, July, il y avait la juillet, which they understood as midnight, que les Millerites comprenaient comme étant minuit. They get midnight, donc ils ont minuit. From Matthew 25, verse 6. Ils tirent minuit à partir de Matthieu 25, le verset 6. And he says, et il dit, commenting on this passage, en commentant sur ce passage, Samuel Snow gave the true midnight cry. Samuel Snow a donné le véritable cri de minuit. And he gave this cry, et il a donné ce cri
In a church in the city of Boston. Dans l'église dans la ville de Boston. And this cry was received. Et ce cri a été reçu. By the Millerites. Par les Millerites. And it began to wake them up. Et cela a commencé à les réveiller. Now, if we're not familiar with Millerite history. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire des Millerites. Samuel Snow. At least towards the end of that time period. Au moins, il était à la fin de cette période de temps. Was a prominent Millerite speaker. C'était un orateur important, l'un des premiers orateurs de ce mouvement vers la fin. Now, this understanding that Samuel Snow gives the midnight cry is nothing new or unique. Donc, cette compréhension que Samuel Snow a donné le cri de minuit n'est rien de nouveau ou d'unique en soi. Thousands of Adventists. Des milliers d'adventistes. They were called Millerites in that history. Understood who this man was. Qu'on appelle les Millerites dans cette histoire ont compris qui était cet homme. And since then. Et depuis lors. Adventist historians have recognized who he was. Les historiens adventistes ont aussi reconnu qui il était, Samuel Snow. And what I mean by who he was, I don't just mean his biography. I mean his position in the movement. Et quand je dis qui il était, je ne parle pas de sa biographie, mais également de sa position, de sa place en tant que responsable. This man. Cet homme. Was the person that God used. A été la personne que Dieu a utilisée. To work out the mistake. Pour découvrir donc l'erreur. And to correctly identify that Christ was going to come in October. Et pour identifier de façon correcte que Christ allait venir en octobre. He had an assistant or a friend. Il avait donc un assistant ou bien un ami. And his name was Storrs. Et son nom c'était Storrs. These two men together. Ces deux hommes ensemble helped develop the arguments and then presented them to the movement. Ont développé donc le point et l'ont présenté au mouvement. They were recognized as giving the cry. Ils sont reconnus comme étant comme ce sont eux qui donnent le cri. So when you go back into the parable, lorsqu'on retourne dans la parabole, and the way the parable's written, et la façon dont est écrite la parabole, is that the 10 virgins are one group, c'est que les 10 vierges sont un seul groupe, and the person who gives the cry, et la personne qui donne le cri, is some other person, c'est une autre personne. But the literal fulfillment of this parable, mais l'accomplissement littéral de cette parabole, was fulfilled in the following fashion. A été accompli de cette façon-là. The movement, le mouvement, which verse 1 calls the kingdom of heaven, que le verset 1 appelle le royaume du ciel, was asleep, était assoupi. And then one of their numbers, et l'un des nombres, Snow. Donc l'un des membres, pardon, Snow, he worked out, il a découvert what the mistake was, quelle était donc l'erreur, and the solution to the mistake, et la solution à l'erreur. And when he explains it, he's the one who ends up giving the cry. Et quand il l'a expliqué, en fin de compte, c'est lui qui a finalement donné le cri. So, the simple answer is, la simple réponse serait, the person who gives the cry, la personne qui lance le cri, is one of the wise virgins, est l'une des vierges sages. But the reading of the parable doesn't give you the ability to see that. Mais la lecture de la parabole ne nous donne pas la capacité de voir cela. This phenomena of parables not being able to explain everything in their literal fulfillment. Donc le phénomène de la parabole qui n'est pas en mesure d'expliquer toutes ces choses réelles dans le littéral. Isn't anything new. N'est pas quelque chose de nouveau. This idea. Cette idée. Happens over and over again. Se passe à maintes reprises. So if I were to ask you a question. The sister who asked me. Là, si je devais poser la question à la sœur qui m'a adressé cette question. It says the kingdom. Il nous est dit que le royaume. Of heaven. Le royaume des cieux. And my question would be, what is the kingdom of heaven? Et ma question serait, quel est le royaume des cieux? That's being referred to here. Dont il est fait mention ici. I would suggest. Je suggérerais. It's the church. C'est l'église. I don't know if you agree with that. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cela. Now,
The subject of the church, le sujet de l'Église, New Jerusalem, la Nouvelle Jérusalem, and the bride of Christ, et l'épouse de Christ, is not as straightforward as some people may think. N'est pas aussi simple et direct que ce que les gens pourraient penser. But let me ask a question. Mais laisse-moi te poser une question. The ten virgins, les 10 vierges, the one who gives the cry, celui qui donne le cri, and the bride, et l'épouse. Who would the bride be in that history? Qui est l'épouse dans cette histoire? That goes out to meet her husband. Qui sort pour rencontrer son époux. That he's going to take back to heaven with him. Que l'époux va prendre avec lui pour l'emmener au ciel. Pardon? A church? So you'd say the church. Vous allez dire que c'est l'église. The remnant? So if we just go with the simple answer of the church, si on avance avec la simple réponse que c'est l'Église, the ten virgins, les 10 vierges, are also a symbol, sont également un symbole, of the church as well, de l'Église également. You might call it the members of the church. Peut-être que vous allez les appeler les membres de l'Église. So even within the parable itself, même au sein même de la parabole, the concept of the person who cries, le concept de la personne qui lance le cri, being different to the ten virgins, est différent des 10 vierges. The ten virgins being different to the bride, et les 10 vierges sont différentes de l'épouse. In real life, mais dans la vie réelle, they're all symbols, ce sont tous des symboles, of the church, ce sont tous des symboles de l'église. As I say, we can go to other parables to show this, et vous pouvez également aller dans d'autres paraboles pour montrer cela. But hopefully that answers in a simple fashion, mais j'espère que cela répond d'une simple façon. How the Millerites understood, de quelle façon les Millerites ont compris, who it was that was giving the cry, qui étaient ceux qui lançaient le cri. How James White understood it, comment James White l'a compris. You can show that Adventist historians see it the same way, et on peut montrer que les historiens adventistes l'ont compris de la même façon. And I think as if I'd asked you the question who the bride was, you would have said the church. Et je pense que si je vous avais posé la question qui était donc l'épouse, vous auriez répondu l'église. And we know that the ten virgins are also a symbol of the church. Mais nous savons également que les 10 vierges sont également un symbole de l'église. Now if you I've mentioned July. J'ai mentionné juillet. If you went further into the history, et si on avance plus loin dans l'histoire, into August, au mois d'août, and September, et ensuite septembre, you'll see that there are thousands of Adventists, Millerites, vous verrez que là il y a des milliers de Millerites qui lancent ce cri. So we know that the literal fulfillment, nous savons que l'accomplissement littéral, is that the person who gives the cry, c'est que la personne qui lance le cri, is the church, c'est donc l'église. The ten virgins are the church, les 10 vierges sont l'église. The bride is the church, l'épouse c'est l'église. There's one more group, it's not identified in the parable, mais il y a un autre groupe qui n'est pas identifié dans la parabole. But it is when Ellen White comments, mais ce groupe se trouve dans le commentaire d'Ellen White. And they're the guests, et ce sont les invités. Go to Matthew 22. Vous pouvez aller dans Matthieu 22. Talks about these guests. Ça fait mention de ces invités. We know the story. There's one guest who doesn't have a wedding garment, and the others do. Et nous connaissons l'histoire. Il y a un invité qui n'a pas donc le vêtement de noces, et tous les autres l'ont. Again, another symbol of the church. De nouveau, c'est encore un autre symbole de l'Église. So these parables, donc ces paraboles, are trying to teach, essayent de nous enseigner, a real life event, un événement réel, where it's all about the church, qui porte sur l'Église. And trying to explain it in a way that helps us to see how these things will be fulfilled. Et c'est expliqué pour nous aider à nous montrer de quelle façon ces choses sont accomplies. Hopefully that answers your question. Alors j'espère que cela a répondu à votre question. So I wanted to talk today. Aujourd'hui, j'aimerais aborder. About Revelation chapter 3, Apocalypse 3, verse 14. 14. Apocalypse 3, 14.
Now this is the passage that we're all very, very familiar with. C'est un passage avec lequel nous sommes tous très, très familiers. Avec. Verse 14. Yep. Et à l'ange de l'église des Laodicéens écrit, ces choses dit l'Amen, le fidèle et véritable témoin, le commencement de la création de Dieu. So in verse 14, au verset 14, God is talking to the angel of the church of Laodicea. Dieu s'adresse à l'homme de l'église de la, à l'ange, j'ai dit quoi? À l'ange de Laodicée. And he tells him to write some instruction to this church. Et il dit à cet ange d'écrire des instructions à cette église. Now this writing is really a message. Donc cet écrit, en fait, c'est un message. And the next part of the verse says, these things. Et l'autre partie du verset nous dit ces choses. Are what are being spoken to the angel, and the angel will write these things. Ces choses, ce sont ces choses qui ont été dites à l'ange et que l'ange a écrites. And the person who's speaking. Et la personne qui parle. Is who? Qui est cette personne qui parle? Read that. L'amen. So it says the amen. Il nous dit l'amen. Now I know most of us. Et je sais que la majorité d'entre nous. Use that word at the end of the prayer. Utilise ce mot à la fin d'une prière. And we use it to kind of finish a prayer off. On l'utilise pour terminer une prière. And it kind of says, so it shall be. Ça peut dire ainsi soit-il. But obviously you can see here the way it's being used. Mais évidemment là vous pouvez voir la façon dont il est utilisé. It's not in that fashion. Que ce n'est pas de cette façon. It seems to have a more sacred meaning here. Il semblerait que cela a une autre signification sacrée. So I'm not sure what each of us think. Je ne sais pas ce que vous pensez chacun. About who this amen is. Sur qui est cet amen? I'm suggesting it's a person because he's speaking. Je suggère qu'il s'agit d'une personne parce qu'elle parle. And what do we think it means, this word amen? Que pensez-vous que cela signifie ce mot amen? As I say, normally we say of a truth or this thing is confirmed. That's how we normally use this. On l'utilise pour dire sur une vérité que ces choses sont confirmées. So shall it be. Ainsi soit-il. So, the word itself really means truth. Le mot en lui-même veut dire vérité. Or true. Ou vrai. And it says the amen. Il nous est dit l'amen. Which means the one who is true. Qui veut dire celui qui est vrai. So who is the one that's true? Qui est donc celui qui est vrai? That's speaking to the angel. Qui parle à l'ange. And telling him to write these instructions and give them to the church. Et qui lui dit d'écrire ces instructions pour les donner à l'église. The obvious answer. C'est une réponse évidente. At least I think it's quite obvious. Je pense que c'est suffisamment évident. That this is a symbol of Christ. Que c'est un symbole de Christ. Now, what's interesting in this passage? Ce qui est intéressant dans ce texte, that we're going to get three titles or three definitions of Christ. Parce qu'on va avoir trois titres ou trois définitions de Christ. So it's the Amen. Il est l'Amen. This is his name. Ça c'est son nom. The one who is truth. Celui qui est vrai. Jesus says, "I am the way, the truth, and the life." Jésus dit, "Je suis le chemin, la vérité et la vie." The next portion says what? La deuxième partie nous dit quoi? The true witness, the faithful and true witness. So this person is the faithful true witness. Cette personne est le témoin fidèle et véritable ou vrai. And the last part. Et la dernière partie. Says that he. On dit lui. Is the beginning. Il est le commencement. Of what?
Le commencement de quoi? The creation. The beginning of creation. Le commencement de la création. Now, in our church today, dans notre église aujourd'hui, there are many people, il y a plusieurs personnes, who have a misunderstanding of who Christ is, qui ont une mauvaise compréhension de qui est Christ, and also who the Holy Spirit is, mais aussi de qui est le Saint-Esprit. They seem to take this defensive position. Elles semblent prendre cette position de défense. That our church is in apostasy on this subject. Que sur ce sujet là, notre église est en apostasie. And that Christ is in some shape or form truly the Son of God. Que Christ dans une forme est véritablement le Fils de Dieu. The first created being. Le premier être créé. The Holy Spirit is just His power. Et le Saint-Esprit n'est juste que son pouvoir. And this is one of the Bible verses that is used to prove this. Et c'est l'un de ces versets bibliques qui est utilisé pour prouver cette idée. We can see why it would be used. Nous pouvons voir pourquoi c'est utilisé. Because it's saying Jesus. Parce qu'il nous est dit que Jésus is the beginning of God's creation. Est le commencement de la création de Dieu. Is this interactive or? If you want. Is this interactive or not? I don't mind. C'est interactif ou pas? I prefer if it is. How do people read this? Comment les personnes lisent-elles cela? Alors, si on interagit, il faut lever la main. Et put your hand up and shout. Yeah. Alors, who speak? Qui parle? Nobody speak any. Non, parce que j'entends pas, moi. J'entends un brouhaha, donc. OK. Repeat your question, maybe. It says it's the beginning of the creation of God. On dit que c'est le commencement de la création de Dieu. And that, to me, pour moi, says Jesus, ça veut dire que Jésus is the first thing that was created by God. Est la première chose qui a été créée par Dieu. And the beginning was the word. Et le commencement était la parole. No, that doesn't say that. Ça veut pas dire ça. That says he was the beginning of God's creation. Le verset dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. You can go to the original, you can go to a revised version, they all say the same thing. Tu peux aller dans l'original ou dans les versions révisées, toutes disent la même chose. Okay. Okay, so this is a problematic verse. Donc c'est un verset problématique. What this means. We don't have time to actually study this. Nous n'avons pas le temps pour étudier cela. But I wanted to identify it. Mais j'aimerais l'identifier. It's this one that we want to pick up. C'est celui-ci que nous aimerions relever. The donc, faithful fidèle, and true witness. Le témoin fidèle et véritable. What is a witness? Qu'est-ce qu'un témoin? Quelqu'un qui voit quelque chose. Et après, cette personne fait un rapport. So it's someone who sees something happening. Donc, c'est une personne qui voit quelque chose se passer. Often some criminality. Parfois, souvent, un crime. And in a court case, et dans le tribunal. They tell the people what happened. Donc, ils disent aux gens ce qui s'est passé. Says he's faithful and true. Il nous a dit qu'il est fidèle et véritable. That means whatever he's saying about what has happened is accurate. Ça veut dire que quoi qu'il dise sur ce qui s'est passé, c'est juste. And the reason why this verse is important for us to know. Et la raison pour laquelle ce verset est important pour nous à savoir. Is because it's connected. Parce qu'il est en lien. To the message to Laodicea, obviously. Avec le message de Laodicée. And we know, et nous savons, we have abundant evidence that we are Laodicea, que nous avons d'abondance preuves pour montrer que c'est nous Laodicée. We're the seventh and last church. Nous sommes la septième et dernière église. And this message to Laodicea is something that we need to take heed to. Et ce message à Laodicée est quelque chose qu'il nous faut prêter attention, Tells us our condition. Elle nous dit, ce message nous dit notre condition. We're blind, poor and naked. Nous sommes aveugles, pauvres et nus. And it tells us what the remedy is. Et il nous donne le remède. For each one of those three
conditions. Pour ces trois conditions, chacune de ces trois conditions. You all know that Ellen White speaks about this subject many, many times in her writings. Et vous savez qu'Ellen White parle de ce sujet beaucoup d'endroits dans ses écrits. So, if we turn to her writings, et si nous allons dans ses écrits, you'll see that she begins to talk about this subject very early in her ministry. Et vous voyez qu'elle commence à parler de ce sujet très tôt dans son ministère. It's around the late 1850s. C'est dans les années 1850 à la fin. Probably the earliest publication you can see is 1857. Et peut-être que la première publication que vous pouvez voir c'est dans 1857. Ellen White wrote number of small books, many many articles in the early days. Dans les premiers jours, Ellen White elle a vraiment écrit beaucoup de petits livres et plusieurs articles. And one of the books that she wrote was called Spiritual Gifts. Et l'un des livres qu'elle a écrit s'intitulait Les dons spirituels. That along with Testimonies to the Church volume 1 were much of her earliest works. Et ce livre avec Témoignages pour l'Église volume 1 représente donc ses premières œuvres. After 25 years, après 25 années, people had begun to forget her early works. Les personnes ont commencé à oublier ses premières œuvres. Obviously they didn't have the technology that we have. Évidemment, ils n'avaient pas les mêmes technologies que nous disposons aujourd'hui. Her writings are not that accessible. Et ses écrits n'étaient pas aussi accessibles. And many new people had, entered the church. Et il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui étaient entrées dans l'église. So in 1882, et donc en 1882, which is just before the 1888 message, qui est juste avant le message de 1888, God directed the church to republish some of her early materials. Dieu a dirigé l'Église afin qu'elle puisse donc republier le premier matériel d'Ellen White. And they put two books together. Et ils ont compilé deux livres ensemble. One was called Experience and Views and the other was called Spiritual Gifts. Alors il y en a un qui s'appelle Expérience et Vision et l'autre les dons spirituels. Along with some explanation. Et avec d'autres explications. They got these two smaller books, put them together into a book called Early Writings. Ils ont pris ces deux petits livres, ils l'ont mis ensemble et ils ont appelé le livre final, les premiers écrits. And early writings et premiers écrits was the book that God was going to use to bring and gather his church together. Et le livre que Dieu allait utiliser pour ramener ensemble et rassembler son église. Now, if you go to early writings, et si vous allez dans le livre premiers écrits, and go to the second book that's there, which is called Spiritual Gifts, Volume 1, et que vous allez dans le premier livre qui s'appelle Les dons spirituels, Volume 1, you can see the whole of the great controversy laid out very carefully from the beginning to the very end. Et vous allez voir là la grande controverse exposée là du début à la fin. And you'll see that the chapters are almost exclusively in chronological order. Et vous allez voir que les chapitres sont quasiment dans un ordre chronologique. If you haven't read this book, si vous n'avez jamais lu ce livre, premiers écrits, you really do need to read it. It's very important. Il vous faut vraiment le lire parce que c'est très important comme livre. If we go about 60% into the book, et si nous allons 66% du livre plus loin, of spiritual gifts. Donc 66% du livre spirituel, dons spirituels. There's a chapter called the shaking. Il y a un chapitre là qui s'appelle le criblage. And it begins on page 269. Et ça commence à la page 269 en anglais et 269 en français. It doesn't have a chapter number. Donc il n'y a pas de nombre de chapitres. Les numéros de chapitres ne sont pas indiqués. I'm not going to read the introductory paragraph. Je ne vais pas lire le paragraphe d'introduction. Because I want to explain why we're here. Parce que j'aimerais vous expliquer la raison pour laquelle nous nous trouvons ici. If you go down four paragraphs, si vous descendez à quatre paragraphes plus loin, you'll go to page 270, paragraph 2. Si nous allons donc dans Early Writing 270.2. 270.2. 270.2.
So Ellen White's going to have a vision and she's going to see a shaking in God's church. C'est la même page en français. Ellen White va avoir une vision et elle va voir un criblage qui se passe au sein de l'église, 270.2 en français, premiers écrits. After she's seen the vision, après qu'elle ait vu cette vision, she's then going to ask. Elle va alors poser la question. So if you read that paragraph, Acts, the meaning of the shaking. Okay, I'll translate. So, j'ai demandé la signification de ce criblage que j'avais vu, qui m'avait été montré, qu'il causerait donc. Il serait causé, provoqué par le témoignage direct appelé par le conseil du véritable témoin au Laodicée. Cela aura son effet sur le cœur du récepteur. Et il le conduira à exalter le principe et à déverser la vérité directe. Certains ne porteront pas attention à ce témoignage direct. Ils s'élèveront contre lui. Et c'est ce qu'il causera, et c'est ce qui causera le criblage parmi le peuple de Dieu. Je lis directement de la source anglaise. And we'll just read the first sentence of the next paragraph. Et on va lire donc la première phrase du paragraphe qui suit, 270.3. Je vis que le témoignage du véritable témoin on avait porté attention au témoignage du véritable témoin qu'à moitié. Until the end. Two more paragraphs. Two more sentences. OK. Et le témoignage solennel pour laquelle la destinée de l'Église était suspendue avait été légèrement estimé. Sinon, entièrement négligé. Ce témoignage doit apporter une profonde repentance à tous ceux qui véritablement le recevra et lui obéira et ainsi sera purifié. Donc la première chose que j'aimerais que nous remarquions par rapport au premier paragraphe que nous venons de lire, it talks about a testimony. Cela fait mention d'un témoignage that was called forth qui a été appelé because of some counsel, en raison de conseils. This counsel was given by the true witness to the Laodiceans. Et ces conseils ont été donnés par le véritable témoin au Laodicée. Now this phrase, true witness to the Laodiceans, cette phrase véritable témoin au Laodicée is taken from Revelation chapter 3 verse 14. Est tirée d'Apocalypse 3 verset 14. Where we saw où nous avons vu the faithful and the true witness les témoins fidèles et véritables is the person who's speaking to the church of Laodicea. C'est cette personne qui s'adresse donc à l'église de Laodicée. So we can tie up this chapter. Nous pouvons donc mettre ensemble ce chapitre to Revelation chapter 3. Verse 14 and onwards, the message to Laodicea. À Apocalypse 3 et suivant, le message adressé à Laodicée. So what we can see. Ce que nous pouvons voir. Remember the first part of the paragraph said she wanted to know what the shaking meant. Et rappelez-vous, la première partie du paragraphe disait qu'elle voulait savoir qu'est-ce qu'était le shaking. So the shaking that's in God's church. Le shaking qui se passe dans l'église de Dieu. Has been caused. A été causé by a rejection of the Laodicean message. Par le rejet du message de Laodicée. Now you might feel that that's nothing new. Vous allez peut-être penser que cela n'est rien de nouveau. But I would suggest that many Adventists don't even know what the Laodicean message really is. Mais je veux suggérer que la majorité des Adventistes ne savent pas vraiment ce qu'est le message de Laodicée. We have a nebulous idea that it's something that's bad, obviously. Nous avons une idée nébuleuse que c'est quelque chose de mauvais. People who are rebellious, disobedient. Des personnes qui sont rebelles, qui sont désobéissantes. But it's my understanding that this condition is far worse than just that. Mais dans ma compréhension, cette condition est pire que cela. Now, if we were to read. Maintenant, s'il nous fallait lire Revelation chapter 3, Apocalypse 3, verse 15, verset 15, Apocalypse 3, 15, 15 and 16. Et 16. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant,
je te vomirai hors de ma bouche. Now, when people read verse 15 and 16, maintenant, quand les gens lisent les versets 15 et 16, and I asked the question, et que j'ai posé la question, are these people, est-ce que ces personnes, these Laodiceans, ces Laodicées, are they cold, est-ce qu'ils sont froids, hot, chauds, or lukewarm, ou tièdes? Most Adventists, la majorité des Adventistes, are going to say, vont dire that this is the condition that people are in, que c'est la condition dans laquelle se trouvent les gens. Because that's what they read. Parce que c'est ce qu'ils lisent. But obviously we know that that's wrong. Mais nous savons que cela est faux. Because you can't be in between. Parce que nous ne pouvons pas nous trouver entre les deux. These two conditions. Dans ces deux conditions. You're either hot or you're cold. Soit vous êtes froid, soit vous êtes chaud. We'll express it another way. On va l'exprimer d'une façon différente. You're either alive, soit vous êtes en vie, or dead, ou soit vous êtes mort. Or, ou bien, if you go to the parable of the ten virgins, ou vous allez dans la parabole des dix vierges, you're either sleeping, soit vous dormez, or you're awake, ou vous êtes réveillé. And this condition of lukewarmness, et cette condition de tiédeur, is not a real life condition. Ce n'est pas une condition réelle de la vie. It's a condition of lying. C'est une condition de mensonge. Jesus doesn't use this word lying. Jésus n'utilise pas ce mot-là, mensonge. If you go to Matthew chapter 23, mais si vous allez dans le Matthieu 25, he uses another term. Matthew 23. Matthieu 23, pardon, il utilise un autre terme. He uses another term. Il utilise un autre terme. And in the English, the word is actor. Et là, en anglais, le mot c'est acteur. But in the Greek, mais dans le grec, it's hypocrite. C'est hypocrite. And if you check, et si vous vérifiez, in Matthew 23, over and over again, he's going to use this word. Dans Matthieu 23, à maintes reprises, il va utiliser ce mot. And he's going to explain what this looks like. Et il va expliquer à quoi cela ressemble. This condition of hypocrisy. Cette condition d'hypocrisie. And I'll give you a couple of verses. Et je vais vous donner deux versets. Verse 25. Donc Matthieu 23, 25. So in verse 25, Matthieu 23, 25, il nous dit, he calls the people hypocrites. Il appelle donc ces personnes hypocrites. And he gives an example of, or a parable of what this looks like. Et il donne un exemple à quoi ressemble cette parabole. He says, you wash the outside of the bowl. Il dit, vous lavez donc l'extérieur du bol. And the inside is left unclean. Mais donc l'extérieur est sale. So you look good on the outside. Le verset 25. Donc à l'intérieur, au dehors de la coupe, vous lavez, vous nettoyez le dehors de la coupe du plat. Just paraphrase. I'm paraphrasing. So you're clean on the outside and you're dirty on the inside. À l'intérieur, vous êtes sale, mais à l'extérieur, vous êtes propre. So if we drop down to verse 29. Donc si on arrive maintenant verset 29. Now he's going to compare the people. Maintenant, il va comparer le peuple. To, now we'll go to 27. On va au verset 27. He says, you're hypocrites. Vous êtes hypocrites. Because you make the tombs. Parce que vous faites que les tombeaux. Beautiful and white on the outside. À l'extérieur, elles sont, les tombeaux sont beaux et blancs à l'extérieur. But inside. Mais à l'intérieur. They're full of bones. Ils sont remplis d'ossements. The bones of dead people. Les ossements de personnes mortes. So they're white on the outside and rotten on the inside. À l'extérieur, ils sont blancs, mais à l'intérieur, ils sont pourris. He builds up his argument over and over again. Et il construit son argument encore et encore.
So we'll just go with these two examples. Nous allons avec ces deux exemples. So a person, donc une personne, who pretends to look good on the outside, qui prétend être bien à l'extérieur, but on the inside, mais à l'intérieur, is full of dead bones, elle est remplie d'ossements morts, or unclean, it's not been washed, ou bien elle est sale, elle n'a pas été nettoyée. This is a hypocrite. Et ça, c'est la définition d'un hypocrite. Hypocrite is an actor, an actor is a liar. Un hypocrite, c'est un acteur, et un acteur, c'est un menteur. And these people, et ces personnes, are pretending to be alive, prétendent être en vie, clean, propre, awake, vivante, but they're really cold, dead and asleep. Mais en réalité, elles sont froides, mortes et elles dorment. And this is the same condition of God's people in the Old Testament. Et c'est la même condition dans laquelle se trouve le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. If you go to Ezekiel 37, si vous allez dans Ézéchiel 37, in that story, et dans cette histoire, you'll see a large valley, vous allez voir une grande vallée, and this one, et celle-ci, is full of many, many bones. Est pleine de ossements desséchés. And God tells Ezekiel. Et Dieu dit à Ézéchiel. That all of these bones. Que tous ces ossements. Are a symbol of the church. Sont un symbole de l'Église. And their death-like condition. Et ils sont dans une condition de mort. So, Revelation 3. Apocalypse 3. When he speaks to God's church, lorsqu'il s'adresse à l'église de Dieu, Seventh-day Adventist, l'église adventiste, the accusation is that you're dead. L'accusation, c'est que nous sommes morts. And you pretend to be alive. Et vous prétendez être en vie. And you end up looking like this halfway condition called lukewarmness. Et vous finalement vous ressemblez à cette condition de tiédeur. You can fool some people that you look white or that you look clean. Vous pouvez montrer à une personne que vous êtes pur ou bien que vous êtes blanc. But when people check you carefully, mais quand les personnes vérifient attentivement, you're identified as being like dead men's bones. Or being unclean. Vous êtes identifié comme étant des ossements morts ou bien être impur. So we can draw this. On peut dessiner cela. This is a typical Seventh-day Adventist. Voici un adventiste typique. And they look clean on the outside. À l'extérieur, ils semblent bien. But on the inside, mais à l'intérieur, their heart, leur cœur, is defiled. Est souillé. The Bible calls it like a stony heart. La Bible le nomme comme un cœur endurci de pierre. Or a heart that's got fat. Ou un cœur engraissé qui a de la graisse. Or a heart as spoken in Matthew 13. Ou un cœur décrit dans Matthieu 13. That's gross or ugly. Qui est laid. This explains. Cela explique. In the Old Testament sacrifices, dans les sacrifices de l'Ancien Testament, why they would cut the fat away, la raison pour laquelle on enlevait la graisse, and they'd burn that fat, et qu'on brûlait cette graisse, because it's all a symbol of sin, parce que cela est un symbole donc du péché. So all of this imagery, toute cette illustration, is what's being brought to view in the Laodicean condition. C'est ce qui est présenté dans la condition laodicéenne. And the shaking, et le criblage, that's going to be caused in God's church, qui va être provoqué dans l'église de Dieu, is caused by the straight testimony, et causé par le témoignage direct, called forth by the counsel of the true witness, appelé par le conseil du véritable témoin. She then explains a bit further, et ensuite elle explique un peu plus loin. This will have its effect upon the heart of the receiver. Cela aurait son effet sur le cœur de celui qui le reçoit. And it will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. Il l'amènera à exalter l'étendard et à déverser la vérité droite. So what's been identified? Deux. Ce qui a été identifié is that Jesus, c'est que Jésus, is going to give a message to his church. Va donner un message à son église. And this message says that you are dead. Et ce message dit que tu es mort. And you need to repent. Et il te faut te repentir. Of your condition. De ta condition. Some people will accept this. Certaines personnes vont accepter cela. And they will change. Et elles vont changer. It says in the passage, this will have its effect. Il nous est dit dans le passage que cela aura son effet.
Those who receive this message, ceux qui reçoivent ce message, that they're in this condition, qui sont dans cette condition-là, it will have its effect, aura son effet. And where will it have its effect? Et il aura son effet où? You read that? Alors, ce témoignage doit produire une repentance profonde. Tous ceux qui le reçoivent vraiment obéiront à ce témoignage et seront purifiés. Just a bit about the heart, the whole thing. J'ai pas vu. Just paraphrase. This will have its effect upon the heart of the receiver. Cela aura son effet sur le cœur donc du récepteur. So once these people have received this new heart, donc quand cette personne va recevoir ce nouveau cœur, it will lead that person, cela va conduire cette personne, to do what? Pour faire quoi? To give this same message, pour donner ce même message, to other people, aux autres personnes. Read that. And it will lead him to exalt the standard and pour forth the straight truth. Et le conduira à exalter le principe et à déverser la vérité droite. People will not bear this great testimony. Et les gens n'ont pas porté ce véritable témoignage ou ce direct témoignage. Just want to make the point. Donc juste pour faire le point. That a witness is not a testimony. Qu'un témoin, ce n'est pas un témoignage. A witness, un témoin, is someone who observes what's going on. C'est celui qui observe ce qui a lieu. A testimony, un témoignage, is someone who talks about an experience that they have had. C'est quelqu'un qui parle d'une expérience qu'il a eue. So these people have had this experience. Ces personnes qui ont eu cette expérience, give a straight testimony, donnent un témoignage direct. And in giving that testimony, et en donnant ce témoignage, they end up becoming a witness. Ils finissent par devenir un témoin. And it's this accusation, et c'est cette accusation, that causes people to rise up, qui permet à ces personnes de se lever, and cause a shaking among God's people, et provoquer un criblage parmi le peuple de Dieu. Next paragraph. Le paragraphe qui suit. I saw that the testimony of the true witness, j'ai vu que le témoignage du véritable témoin has only been half listened to, n'a été qu'à moitié écouté. This is the solemn testimony upon which the destiny of God's church hangs. Le témoignage, le destin, c'est le témoignage sur lequel repose le destin de l'Église. And it's been virtually rejected. Et il a été quasiment rejeté. This testimony must work deep repentance. Ce témoignage va produire une repentance profonde. Everyone who receives it will be purified. Tous ceux qui le recevront seront purifiés. This is the explanation. Ça c'est l'explication. Of the vision that she's had. De la vision qu'elle a reçue. And if you go back to the beginning of the chapter, 269 paragraph 1. Et si vous allez au commencement du chapitre 269 paragraphe 1. And we read the first three paragraphs. It's only a short vision. Et on a lu les trois premiers paragraphes, c'est juste une petite vision. The chapter itself is 11 paragraphs. Le chapitre en lui-même comprend 11 paragraphes. So the rest of the chapter, le reste du chapitre, is all dealing with the explanation of what she saw. Parle juste de l'explication de ce qu'elle a vu. What you're going to see, ce que vous allez voir, if you read those first three paragraphs, si vous avez lu les trois premiers paragraphes, is that she sees God's people, c'est qu'elle voit donc le peuple de Dieu, all standing together, qui sont tous ensemble, debout, and darkness, et les ténèbres, like a thick cloud, comme un nuage épais, begins to envelop them, commence à les envelopper, and it's evil angels that are producing this darkness, et ce sont ces anges mauvais qui produisent ces ténèbres. One group, un groupe, resist this darkness. Résiste à ces ténèbres. And when they resist, et quand elles résistent, light from heaven begins to penetrate. La lumière en provenance du ciel commence à pénétrer. And begins to lighten them up. Et commence à les illuminer. Another group, et un autre groupe, who are indifferent to their condition,
qui sont indifférents à leurs conditions, make no effort, ne font aucun effort. And eventually, et finalement, this group here, ce groupe-là become enveloped in this darkness, commence à être enveloppé de ces ténèbres. And Ellen White sees them no longer. Et Ellen White ne les voit plus. But before that happens, there's this shaking. Mais avant que cela ne se passe, il y a ce criblage. This argument in the church. C'est cette dispute qu'il y a au sein de l'Église. Now, as I said before, et comme je vous l'ai dit précédemment, this book, ce livre, gives a chronological order of the controversy from the beginning to the end. Nous donne un ordre chronologique de la controverse du début à la fin. It begins chapter 1, chapter 1. Il commence donc chapitre 1er with the fall of Satan. Avec la chute de Satan, les dons spirituels volume 1, la chute de Satan. Moves on to the fall of man, the plan of salvation, the first advent. Pour poursuivre avec la chute de l'homme, le plan du salut et le premier avènement. She spends a number of chapters dealing with the first advent. Et elle passe beaucoup de chapitres à parler donc de la première venue de Christ. She then goes to the story of Paul. Ensuite, elle parle de l'histoire de Paul. We discussed this morning in the Sabbath school. Nous en avons parlé ce matin à l'EDS. She then goes on to the Reformation. Ensuite, elle arrive à la Réforme. And in the history of the Reformation, et dans l'histoire de la Réforme, she's going to speak about the mystery of iniquity or the 1260. Elle va parler du mystère de l'iniquité ou des 1260. Halfway into this book, au milieu donc de ce livre, we arrive at the Millerite history. Nous arrivons à l'histoire des Millerites. It begins with William Miller. Et ça commence par William Miller. Then she discusses the first angel's message, the second angel's message. Ensuite, elle parle donc des messages du premier ange et du deuxième ange. Then she goes back. Et ensuite, elle retourne. And deals with this history once again. It's called the Advent Movement Illustrated. Et elle reprend donc l'histoire de cette histoire et elle l'appelle le mouvement de l'Avent illustré. Then she goes back again. Et ensuite elle revient. And she illustrates it once more. It's called another illustration. Et elle l'appelle donc l'autre illustration. So she goes through the Millerite history. Elle donc parcourt l'histoire des Millerites. Four times. Quatre fois. Repeat and enlarges over and over again. C'est une répétition et un élargissement encore et encore. This is why this book is so important for us to understand and read. C'est la raison pour laquelle ce livre est si important pour nous à comprendre et à lire. So we can have a clear understanding of many topics that Adventists are really unfamiliar with. Et comme ça, on pourra avoir une claire compréhension des chapitres avec lesquels les Adventistes ne sont pas familiers. The next chapter is called the Sanctuary. Et le chapitre qui suit s'appelle le Sanctuaire. We'll read from there. On va lire à partir de ce chapitre. First sentence. La première phrase. Il m'a été montré le désappointement sévère du peuple de Dieu qui quand ils n'ont pas vu Jésus arriver au temps espéré. So this is the great disappointment of October 22nd, 1844. On est dans Premiers Écrits 250, paragraphe 1, et là, c'est le grand désappointement de 1844. Jesus has not come and they don't understand why. Jésus n'est pas revenu et les Millerites ne comprennent pas la raison. Next paragraph. Le paragraphe qui suit. So Jesus is going to begin to explain to his people what's gone on. Jésus commence à expliquer à son peuple ce qui se passe. First half of the sentence. Of the first sentence? Holy place. Where? Holy place. Okay. Où il est parti pour purifier le sanctuaire et faire une expiation spéciale pour Israël. PE 250.2. So he sent angels to explain to the people what had gone wrong. Alors il demande aux anges d'expliquer au peuple ce qui ne va pas. And he directed their minds to the most holy place. Et il dirige leur esprit vers le lieu très saint. Where he had begun to do a special atonement for his people. Là où il commence à faire une expiation spéciale en faveur de son peuple. So that's the sanctuary. The next chapter is called the third angel's message. Là, il s'agit du sanctuaire et le chapitre qui suit, c'est le message du troisième ange. Page 254.2. So as Jesus began his work in the most holy place, alors que Jésus commence son œuvre dans le lieu très saint,
The work in the holy place ended and he had moved apartments. Le ministère dans le lieu saint se termine et il change d'appartement. I don't know how familiar you are with these charts. Je ne sais pas combien vous êtes familier avec ces deux cartes. This chart was produced in 1842. La carte 43 était produite en 42. It's called the 1843 chart because it predicted Christ coming in 1843. Elle s'appelle la carte de 1843 parce qu'elle prédit la venue de Christ en 1843. When they realize their mistake, quand ils réalisent leur erreur, they stop using this chart. Ils ont cessé d'utiliser cette carte because they knew Christ was coming in 1844. Parce qu'ils savaient que Christ allait arriver en 44. 6 years later, six ans après, they produced this second chart in 1850. Ils ont produit donc cette deuxième carte en 1850. Even though the charts look quite different, même si les cartes semblent assez différentes, if you look carefully, you'll see that they're virtually identical. Et si vous regardez avec soin, vous verrez qu'elles sont quasiment identiques. So, for instance, if you see the picture work here, si vous voyez l'image là, this is Daniel 7. Là, c'est Daniel 7. You'll see that it's virtually the same as this picture work here, Daniel 7. Vous allez voir que c'est quasiment la même image sur l'autre carte. It's papal Rome, papal Rome. Parce que là, c'est la Rome papale également là aussi. And you'll see the layout is, as I say, virtually the same. Et vous allez voir que la disposition est quasiment la même. You have Daniel on the left and Revelation on the right. Vous avez Daniel sur la gauche et Apocalypse à droite. Same here, Daniel on the left, Revelation on the right. Et la même chose pour l'autre carte, Daniel à gauche, Apocalypse à droite. So, there's this piece of information that's added here. Il y a cette information qui est ajoutée là. And this is the sanctuary message that they understand. Et là, c'est le message du sanctuaire tel qu'ils l'ont compris. That Christ leaves the holy place and goes to the most holy place. Que Christ est parti du lieu saint pour se rendre dans le lieu très saint. And connected with this message of the sanctuary. Et en lien avec ce message du sanctuaire. Is this message here? C'est ce message là. They also lay out the three angels' messages: first angel's message, second angel's message, third angel's message. Ils ont aussi dessiné les trois messages: le premier, le deuxième et le troisième. So the third angel's message. Le troisième ange. You can see how they connected with the most holy place ministration of Christ. Vous pouvez voir à quel point il est en lien avec le ministère de Christ dans le lieu très saint. This is what's being introduced here in this chapter, the third angel's message. Et c'est ce qui est introduit ici dans ce chapitre intitulé le message du troisième ange, page 254, premiers écrits. As Christ's ministry in the holy place finished and he went to the most holy place. Alors que le ministère de Christ se finit et il passe dans le lieu très saint. He sent another angel, the third angel, to the world. Il envoie donc un autre ange, le troisième ange au monde. And when he came down to the earth, he came down with power and great majesty. Et quand il descend sur la terre, c'est avec puissance et une grande majesté. Now, when this angel came down, quand cet ange descend, as this angel came down, he came down with great power. Quand cet ange descend, il descend avec une grande puissance. And he proclaimed a fearful warning. Et il proclame l'avertissement terrible. And this is the most fearful warning that's ever been given to mankind. Et c'est l'avertissement le plus terrible jamais donné à l'être humain. We'll go to the conclusion. Et nous allons directement à la conclusion. Of our study now. De notre étude maintenant. If you study this subject, si vous étudiez ce sujet, you will see, okay, vous allez voir that the third angel's message, que le message du troisième ange, which he says is the most fearful message that's ever been given to man, qui nous dit être le message le plus terrible jamais donné à l'être humain, this is the message of Revelation chapter 3, verse 14 onward. C'est le message d'Apocalypse 3, le verset 14 et suivant. Là-haut. This is the message to Laodicea. C'est le message de Laodicea.
So the Laodicean message is the third angel's message. Le message de Laodicée 1 est donc le message du troisième ange. This message. Ce message. Third angel's message. Le troisième ange. Was designed to put God's people on guard. Était conçu pour mettre pour que les enfants de Dieu soient sur leur garde. It happens in 1844. Cela se passe en 1844. The angel. L'ange. Was instructed to tell us. A été, il a reçu l'instruction pour nous dire. That we're going to be brought into close combat. Qu'on va être emmené dans un combat étroit. And that we must fight and resist, even though our lives are at stake. Dans un combat intime, et il nous faut résister, même si notre vie, on perd notre vie. Verse 12 of Revelation 14. Le verset 12 d'Apocalypse 14. Ends with this statement. Finit avec cette citation. That we must have patience and we keep the commandments and have the faith of Jesus. Il nous faut avoir de la patience et garder les commandements et la foi de Jésus. As this angel repeated these words, he pointed to the sanctuary in heaven. Alors que cet ange répète ces paroles, il pointe vers le sanctuaire céleste. And everyone who accepts this message. Et tous ceux qui ont accepté ce message, they direct their minds to the most holy place. Dirigent donc leur esprit vers le lieu très saint. Now, when this angel came, quand cet ange descend, he came for two groups of people. Il vient pour deux groupes de personnes. Those who had been breaking God's commandment accidentally. Ceux qui ont brisé la loi de Dieu de façon accidentelle. That's his church. Ça, c'est son église. And the second group, the world. Et le deuxième groupe, le monde. Who still had mercy. Qui ont encore de la grâce. And not only that. Et non seulement cela. When Christ moved to the most holy place. Quand Christ entre dans se déplace vers le lieu très saint. He began to make atonement. Il commence à faire expiation. First for the dead and then the living. Premièrement pour les morts et ensuite pour les vivants. So the third angel's message. Le troisième ange. Is connected to the ministration. Est en lien avec of Christ in the most holy place. Est connecté avec le ministère de Christ dans le lieu très saint. It directs our minds into that place. Il dirige notre esprit vers ce lieu. And it's for two groups of people. Et c'est pour deux groupes de personnes. The church and the world. L'église et le monde. And first, et premièrement, that work is going to be dealing with those who are dead, and then it's going to move over to those who are living. Cette œuvre va commencer avec ceux qui sont morts et ensuite se terminer par ceux qui sont en vie. When Jesus opened the door into the most holy place, quand Jésus a ouvert la porte du lieu très saint, the Sabbath became the test question, the test issue. Le sabbat est devenu la question de test. Because that's where the Ark of the Covenant is. Parce que c'est là que se trouve l'Arche de l'Alliance. And there God's people could see. Ainsi, le peuple de Dieu peut voir. The Ten Commandments. Les dix commandements. Specifically the fourth commandment. Et particulièrement le quatrième. This can be seen in Revelation chapter 11 verse 19. Cela peut être vu dans Apocalypse 11, 19. When the sanctuary in heaven was opened. Quand le sanctuaire céleste a été ouvert. So all of these people. Toutes ces personnes. Who had followed Christ into the most holy place. Qui ont suivi Christ dans le lieu très saint. They were required to take hold or embrace the third angel's message. On leur a demandé donc de maintenir ou de d'embrasser le message du troisième ange. And the problem is. Mais le problème. Many of these people had not experienced the first angel's message or the second. Mais beaucoup de ces personnes n'ont pas expérimenté le message du premier ou du deuxième ange. They were new to the message. Parce qu'elles étaient nouvelles au message. And the first and second had already passed into history. Et le message du premier et du deuxième ange était déjà passé dans l'histoire. And this was a problem for them. Et ça, c'était un problème pour eux. Because they hadn't personally experienced it. Parce que personnellement, elles n'avaient pas expérimenté ces deux messages. Satan understood this. Et Satan comprenait cela. And what he did. Et ce qu'il a fait. Was try to deceive them. Il a essayé de les tromper. But the third angel, mais le troisième ange, he was pointing God's people to the most holy place. Dirigeait les gens, le peuple de Dieu, vers le lieu très saint. And through this angel, et à travers cet ange,
God's people who had already had the first and second angels experience, the Millerites, le peuple de Dieu, les Millerites qui avaient déjà l'expérience des premiers et deuxièmes messages, they began to point to the other people to look to heaven. Ils ont commencé donc à diriger le regard des gens vers le ciel. Many people accepted, but many people didn't. Beaucoup de personnes l'ont accepté et beaucoup d'autres pas. These messages, ces messages, the first, second, and third, le premier, deuxième et troisième, they were meant to be as an anchor for us. Ça, ils devaient être une ancre pour nous. So that we couldn't be swept away by the delusions of Satan. Afin que nous ne puissions pas être balayés par les séductions de Satan. But if you look at the condition of the church there, you know that that didn't happen. Mais si vous regardez à la condition de l'église, vous savez que cela ne s'est pas produit. We're in 256, paragraph 3. On est maintenant dans Premiers Écrits 256, paragraphe 3 en anglais. En français, c'est le paragraphe 3 aussi. After the disappointment, après le grand désappointement, Satan began to lay traps for God's people. A commencé à mettre des pièges pour le peuple de Dieu. He began to affect people's minds. Il a commencé à affecter, à détériorer l'esprit des gens. And what began to happen, et ce qui a commencé à se passer, is that the experience of the first and second angels' messages, l'expérience des messages du premier et deuxième ange, that they'd already understood had happened between 1798 and 1844. Que ces personnes avaient commencé à comprendre, avaient compris du moins que ces deux messages s'étaient passés de 1798 à 1844. And they're here now in the history of the third. Et que maintenant ces personnes savaient qu'elles étaient sous le message du troisième ange. People began to play around with that history. Les personnes ont commencé à jouer avec cette histoire. And they began to move it. Et elles ont commencé à la bouger. What they began to do, ce qu'elles ont commencé de faire in this history, dans cette histoire, here we are at the present. Voilà où nous sommes au présent. They either, alors soit, took the first and second angels' messages, soit elles ont pris les messages du premier et deuxième ange, and put them way back into the past, et les ont mis bien loin dans le passé, hein, or, ou bien, they put them into the future. Elles les ont placées dans le futur. And they wouldn't accept that they were already fulfilled. Et ces personnes n'ont pas accepté que ces messages s'étaient déjà passés. In this history. Dans cette histoire de 1798 they said, à 1844. Ils ont dit que ça c'était faux. And they've either happened a long time ago or they're going to happen in the future. Que ces messages se sont passés il y a bien longtemps ou ils se passeront, ils se réaliseront dans le futur. And this began to have an influence upon God's church. Et cela a commencé à avoir une influence dans l'église de Dieu. Many people who had once accepted these messages now denied them. Beaucoup de personnes qui avaient accepté ces messages maintenant les reniaient. And perhaps the person that you're most familiar, et peut-être que les personnes avec lesquelles vous êtes le plus familier, is William Miller himself. C'est William Miller lui-même. William Miller and other leading men began to do this. William Miller et d'autres dirigeants donc ont commencé à faire cela. So they rejected the third angel's message. Ils ont rejeté le message du troisième ange. Because the third angel's message, parce que le troisième ange, had anchored God's people, avait ancré le peuple de Dieu, showing them that their experience in this history under the first and second was correct. En leur montrant que leur expérience passée sous le message du premier et deuxième ange était juste. At the very time that many in our church were doing this work, et plusieurs fois où les hommes dans notre église ont fait cette œuvre, other people, d'autres personnes, were gathering the truths together of the first and second angels' messages, ont rassemblé les vérités, donc le message du premier et deuxième ange, and they began to create a firm platform. Et elles ont commencé donc à créer une plateforme ferme. And this platform, et cette plateforme, the name, title of the next chapter, c'est le titre donc du chapitre qui suit dans Spiritual Gift. Is this platform? Et donc cette plateforme, that God's people are standing on in the shaking document, in the shaking chapter, sur laquelle donc le peuple de Dieu se tient debout dans le chapitre intitulé le criblage. C'est la page 258 en français. So Ellen White has a vision. Ellen White a une vision.
It's called the firm platform. Ça s'appelle la plateforme ferme. She says she saw a company of people. Elle a vu un groupe de personnes. Who looked firm and strong, and they were unsettled. Qui semblaient fermes et forts et ils étaient immovables. On ne pouvait pas les bouger. Inamovible, thank you. God approved of these people. Dieu avait mis son approbation sur ces gens. Read that sentence. I saw. Alors, I was. Il m'a été montré trois étapes, donc le message du premier, deuxième et troisième ange. So she's shown three steps, one, two, three. On lui a montré donc trois étapes, un, deux, trois. And now, et maintenant, there's this firm platform. Il y a donc cette plateforme solide ou ferme. So the firm platform is now being created. Donc cette plateforme ferme est créée maintenant. At the very time. Au moment même. When other men are rejecting the first and second angels' messages and putting them into the past or the future. Au moment même où d'autres personnes ont rejeté les messages du premier et deuxième ange et les ont positionnés soit dans le passé ou soit dans le futur. An angel said to Ellen White. Et un ange a dit à Ellen White. Woe to a person. Malheur à cette personne. Who tries to move or disturb this platform. Qui essaye de déplacer ou de perturber cette plateforme. Now this platform that they're standing on. Cette plateforme sur laquelle ils se tiennent. These messages. Ce sont ces messages. The first, second and third angel. Les messages du premier, deuxième et troisième ange. And it becomes a life and death issue. If you understand what they mean. Et cela devient une question de vie ou de mort si vous comprenez ce qu'il signifie. The destiny of souls hangs upon the manner in which they are received. La destinée des âmes est suspendue sur la manière dans laquelle ils sont reçus. And you remember, et vous souvenez, we read that about the message of the true witness. Nous avons lu cela sur le message du véritable témoin. She said the destiny of the church hangs upon the decision people make. Elle dit que la destinée de l'Église est suspendue à la décision que prennent les gens. So, this platform that they're standing on. Donc la plateforme sur laquelle ils se tiennent. Is a combination of the first and second and third. C'est la combinaison du premier, deuxième et troisième. And just like mathematics. Et tout comme les maths. 1 plus 2 equals 3. 1 plus 2 égale 3. The third angel's message. Le message du troisième ange. As Ellen White would say, embraces or contains the second angel. Comme Ellen White le dit, embrasse ou contient le deuxième ange. And here, after 1844, we were required to stand upon this platform. Et après 1844, il nous est demandé de nous tenir debout sur cette plateforme. Standing on the platform. Se mettre debout sur cette plateforme. Is the same as accepting the Laodicean message. C'est la même chose que d'accepter le message de la Laodicée. She was shown. Il lui a été montré. How God's people. Comment le peuple de Dieu. Had had an experience with these messages. Avait eu une expérience avec ces messages. Dieu les avait conduits tout le long du chemin, étape par étape, jusqu'à ce qu'il les place sur une plateforme solide et inamovible. She says God had led them. Et elle dit que Dieu les a conduits. Step by step. Étape par étape. Until they got to this third message, which was the immovable platform. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette plateforme ferme et inamovible. She saw some people. Elle a vu certaines personnes. Approach the platform. S'approcher de la plateforme. Examine it. L'examiner. And then step onto it. Et ensuite y descendre. She saw others who found fault with the platform and didn't want to get on. Et elle a vu d'autres qui ne voulaient pas descendre de cette plateforme. Worse still. Pardon. Worse. Pire que cela. Some stepped off the platform. Certains sont descendus de cette plateforme. Because they said it wasn't laid properly. Parce qu'ils ont déclaré qu'elle n'était pas posée correctement. So what's happening in this history? Alors ce qui se passe dans cette histoire. Is there's this flux that the church is in. Il y a ce troupeau dans lequel est l'église. Some people are rejecting the messages, some people are accepting the messages. Donc il y a certains qui acceptent et d'autres qui rejettent ces messages. Some people
joining them and some people are leaving them. Alors certaines personnes les rejoignent et d'autres les laissent, les quittent. She then makes an interesting comparison. Et ensuite elle fait une comparaison intéressante. She says, I was taken back to the first advent, the story of Christ. Elle dit qu'on l'a ramené lors de la première venue de Christ. She says, John the Baptist was sent in the spirit and power of Elijah. Elle nous dit que Jean le Baptiste a été envoyé dans l'esprit et la puissance d'Élie. Those who rejected the testimony of John were not benefited by Jesus' ministry. Ceux qui ont rejeté le témoignage de Jean n'ont pas pu bénéficier du ministère de Christ. And when they rejected John, et lorsque elles ont rejeté Jean, ces personnes, therefore rejecting Jesus, donc par conséquent ont rejeté Jésus, they couldn't see the strongest evidence that he was the Messiah. Elles n'ont pas pu voir la grande preuve que c'était le Messie. And then they went on to crucify Jesus. Et elles ont continué jusqu'à le crucifier. And once they'd done that, et dès qu'elles ont fait cela, when Pentecost came, quand la Pentecôte est arrivée, they couldn't receive the blessing of Pentecost. Elles n'ont pas pu recevoir la bénédiction de la Pentecôte. And what was the blessing of Pentecost? Et quelle était donc la bénédiction de la Pentecôte? Who knows? Qui sait? What is Pentecost? C'est quoi la Pentecôte? It's okay, he's okay. So Pentecost, la Pentecôte, is when Christ, c'est quand Christ begins his work, commence son œuvre, in the holy place, dans le lieu saint. What happened? Ce qui se passe, is if you didn't accept John's ministry, c'est si tu n'acceptes pas le ministère de Jean, you wouldn't accept Christ's ministry, tu ne vas pas accepter le ministère de Christ, you'd end up killing him, tu vas finir par le tuer, and when he would resurrect, et quand il sera ressuscité, and begin his ministry in the heavenly sanctuary, you couldn't see that. Et commence son ministère dans le sanctuaire céleste, tu ne vas pas le voir. What she does, ce qu'elle a fait, is she parallels that history with the history of the Millerites. Elle a mis en parallèle cette histoire avec celle des Millerites. She's going to tell you, elle va nous dire, that having rejected the first, as they rejected, having, ayant rejeté le premier, they couldn't be benefited by the second, ils n'ont pas pu bénéficier du deuxième. And then by the time you get to the midnight cry, et au moment où on arrive au cri de minuit, which brings you to the third, qui nous amène donc au troisième, you could not see Christ moving from the holy place to the most holy place. Vous ne pourrez pas voir Christ passer du lieu saint au lieu très saint. Now, you might think that this is just history. Peut-être que vous allez penser qu'il s'agit que de l'histoire passée. But I want us to learn a point. Mais j'aimerais que vous appreniez un point. If you don't understand about the first angel's message or the second, si vous ne comprenez pas le premier ou deuxième message, you have already rejected the third. Vous avez déjà rejeté le troisième. And even though you know, et même si vous savez, intellectually, intellectuellement, that Christ is in the most holy place, que Christ se trouve dans le lieu très saint, you receive no benefit by his ministration there. Vous n'allez recevoir aucun bienfait de son ministère là-bas. And if you're not receiving any benefit, et si vous ne recevez aucun avantage, and we know that Christ is about to return, nous savons que Christ est sur le point de revenir, therefore the judgment of the living is already begun, par conséquent le jugement des vivants a déjà commencé, when your name comes up, quand votre nom va être appelé, you'll be lost. Vous serez perdu. Eternally. De façon éternelle. You'll come up on the wrong side. Parce que vous allez être sur la mauvaise, du mauvais côté. Of the judgment. Du mauvais côté du jugement. Many looked at horror of what the Jews did. Beaucoup ont regardé avec horreur ce que les Juifs ont fait. All heavens looked how they would receive the first angel's message. Le ciel entier a regardé de quelle façon ils allaient recevoir le troisième ange. But so many people rejected the first angel, just like they rejected John. Mais tant de personnes ont rejeté le troisième ange de la même façon qu'ils avaient rejeté Jean. Those who rejected the first message were not benefited by the second. Ceux qui avaient rejeté le premier ne pouvaient pas bénéficier du second. They were not benefited by the midnight cry. Ils n'ont pas pu bénéficier donc du cri de minuit. And it says quite clearly,
Et il est dit clairement. The midnight cry was to prepare them to enter with Jesus into the most holy place. Le cri de minuit et devait les préparer à entrer avec Jésus dans le lieu très saint. By rejecting the first two messages, en rejetant les deux premiers messages, they could see no light in the third. Ils ne pouvaient voir aucune lumière dans le troisième. And as the Jews crucified Christ, et comme les Juifs ont crucifié Christ, they crucified the message. Ils ont crucifié les messages. And they could therefore not enter into the most holy place. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. This acceptance or rejection of the most holy place ministry. Cette acceptation du ministère du lieu très saint. You're not even able to make the decision here. Vous ne serez pas en mesure de prendre la décision là. If you rejected all of this information before. Si vous avez déjà rejeté toutes les informations précédentes. God gave him an opportunity. Dieu nous a donné une occasion. He said. Il a dit. Those who had neglected to keep the commandments. Ceux qui ont négligé garder les commandements. Were given a second opportunity. On va leur donner une deuxième opportunité. Now, what happens in this history? Ce qui s'est passé dans cette histoire. After 1844, when they begin to produce this chart. Après 1844, quand ils ont commencé à produire la carte de 50. This platform begins to get created. Cette plateforme a été créée. And it's fully built by the year 1850. Et en l'an 1850, elle est finalement créée, construite. So this platform is built here. Cette plateforme là, elle est construite là. And many people have come off. Et beaucoup de personnes y sont sorties. And the reason they've come off is because they reject the first two angels. Et la raison pour laquelle elles sont sorties sur cette plateforme, c'est qu'elles ont rejeté les deux premiers messages. Now I can assure you. Et je peux vous assurer. The vast majority of Adventists. Que la grande majorité des Adventistes. Have no idea about the first and second angels' messages. N'ont aucune idée de ce qu'est le message du premier et deuxième ange. If you don't understand. Si vous ne comprenez pas. It means you reject. Ça veut dire que vous avez rejeté. Because none of us had an experience in those. Messages. Parce que aucun de nous n'a eu d'expérience dans ces messages parce que nous n'étions pas en vie. Hein. So this firm platform has been created. Donc cette plateforme ferme a été créée. And in 1850. Et en 1850. Once the platform's created. Une fois que la plateforme a été créée. We're now required to do evangelism. Nous sommes maintenant appelés à faire de l'évangélisation. Now required to go to the world to give a message. Maintenant, il nous est demandé d'aller vers le monde pour donner un message. If you go to the next chapter. Et maintenant, allons dans le chapitre qui suit. In this book, early dans writings. Dans ce livre là, toujours premiers écrits. It's called spiritualism. Cela nous est intitulé le spiritualisme, le spiritisme. La page 262. 262, paragraph 1. There's a parallel book that goes with this one. Il y a un livre parallèle qui va avec ce livre. Called Christian Experience and Teachings of Ellen White. L'expérience chrétienne et les enseignements chrétiens d'Ellen White, CET, on l'a pas en français, je crois. And in that book, et dans ce livre, which is the parallel to this chapter, qui est le parallèle de ce chapitre, she tells you, elle nous dit, that in August 1850, que en août 1850, thank you. She sees that this spiritualism, elle a vu donc que ce spiritisme. Is now beginning to take effect. Commence maintenant à avoir de l'effet. So, read the first sentence. La tromperie de la capture, le fait d'être enlevé vers le ciel a été présenté devant moi, et je vis que Satan avait le pouvoir de prendre l'apparence pour. Montrer nos parents ou des amis qui étaient endormis en Jésus. So this wrapping that she speaks about. Donc cet enlèvement ou cette capture dont elle fait mention là. Is essentially spiritualism. C'est essentiellement donc du spiritisme. Now during this period here where God's church was establishing this platform. Durant cette période durant laquelle Dieu établissait cette plateforme, Satan has already understood what's happening. Avait déjà compris ce qui se passait. And what he begins to do. Et ce qu'il a commencé à faire. He begins to allow spiritualism. Il a permis que le spiritisme
to enter into the hearts and minds of the world. Entre dans le cœur et l'esprit du monde. The world. OK, du monde. Now this subject, she goes into a lot of detail. Elle rentre dans beaucoup de détails sur ce sujet. And she explains what's going on in this time period. Et elle explique ce qui se passe dans cette période de temps. Spiritualism has just begun in that history. Donc le spiritisme vient de commencer dans cette histoire. And it's about to get a lot worse. That's what she's going to explain as time goes on. Et ça va empirer, et c'est ce qu'elle explique alors que le temps avance. In this chapter, she speaks about the world. Et dans ce chapitre, elle parle du monde. Being in a train. Être dans un train. And this train is headed towards hell. Et ce train-là, il va vers l'enfer, c'est ça? Hell. Yeah, c'est ça, l'enfer. OK. And the driver of the train is Satan. Et le conducteur du train, c'est Satan. So she talks about this vision that she has about this train in this chapter. Et donc elle parle de cette vision de ce train qu'elle a dans ce chapitre. God has given them plenty of evidence and opportunity to see what's happening. Et Dieu leur a donné beaucoup d'évidence et d'occasion pour leur montrer ce qui se passe. But most people in the world, mais la majorité des personnes dans le monde, just don't see what's going on. Ne voient pas ce qui se passe. 265 paragraph 1. Alors 265 paragraphe 1 en anglais. Is that last one? La dernière phrase. Il fait en sorte que le monde croit que la Bible n'est pas inspirée, que ce n'est pas mieux qu'un livre d'histoire, tandis que qu'il élève quelque chose d'autre à sa place, à savoir les manifestations spirituelles. So what happens is, ce qui se passe, c'est que the world enters into spiritualism, le monde entre dans le spiritisme and they're no longer going to believe what's in the Bible. Et il ne va plus croire ce qui est écrit dans la Bible. So this chapter, donc ce chapitre, spiritualism, qui s'intitule le spiritisme, is dealing with the attack, parle donc de l'attaque upon the world, l'attaque sur le monde, by Satan, par Satan. Now Satan knows that this attack is not going to work upon God's church. Satan sait que cette attaque ne va pas fonctionner sur le peuple de Dieu. So he devises a separate attack to God's church. Donc il réserve une attaque spéciale pour le peuple de Dieu. And that's the next chapter. Et ça c'est le chapitre qui suit. Covetousness. L'avarice ou la convoitise en anglais. We'll read a bit from here. On va lire à partir de là. I saw that Satan bade his angels lay their snares especially for those who are looking for Christ's second appearing and keeping all the commandments of God. Alors, j'ai vu que Satan a ordonné à ses anges de placer des pièges spécialement pour ceux qui attendent la seconde venue de Jésus et qui gardent tous ses commandements. So he's going to have a special plan. Il a donc un plan particulier. For those who are looking for the second appearing and keeping the commandments of God. This is the Adventists. Donc pour ceux qui, il a un plan spécial pour ceux qui attendent la seconde venue de Christ et qui gardent ses commandements. Là, il s'agit des Adventistes. So this chapter is covetousness. Ce chapitre là c'est la convoitise. And this is the attack. Et ça c'est l'attaque. On Seventh-day Adventists. L'attaque sur les Adventistes. And it's covetousness. En français c'est l'avarice, en anglais c'est convoitise. Satan told his angels. Satan a dit à ses anges. That the churches were asleep. Que les églises étaient assoupies. These churches, ces églises-là, are not Adventism. Ce ne sont pas l'Adventisme. They're the Protestant and Catholic churches, the world. C'est le monde, l'Église catholique et protestante. He would increase his power and lying wonders. Il allait augmenter sa puissance et ses mensonges, ses merveilles mensongères. Lying wonders and miracles. Donc c'est du spiritisme, lying wonders, c'est le spiritisme ou les miracles. Le fait d'être la capture. And yeah, he could hold them. Et comme ça, il pourra les tenir, les maintenir. So, these
churches that had left the movement, Protestants, Catholic, the worldly people. Donc les églises qui ont quitté le mouvement, les protestants, les catholiques, les le monde. He can keep them by spiritualism. Il va les maintenir par le spiritisme. But Adventists. Mais en revanche, les adventistes. He cannot deceive us with spiritualism. Il ne peut pas tromper les adventistes par le spiritisme. He has a special plan for us. Pour nous, il a un plan particulier. But he said, the sect of Sabbath keepers we hate. Mais il dit la secte des observateurs du sabbat nous détestons. Now remember, this is a direct quote that Ellen White heard Satan saying. Et rappelez-vous là, c'est une citation directe qu'Ellen White a entendu dire de la part de Satan. They're continually working against us. Ils travaillent continuellement contre nous. Taking our slaves from us. Ils nous ravissent nos esclaves. To keep God's law which we hate. Pour qu'ils gardent la loi de Dieu que nous détestons. Okay, so this is his attack. Donc voici maintenant son attaque. Go make the possessors of land and money drunk with cares. Alors faites que les propriétaires donc de terre et ceux qui ont beaucoup d'argent soient ivres avec des soucis. Make them place their affections on these things. Faites en sorte qu'ils placent leur affection sur ces choses. It doesn't matter what they say. Qu'importe ce qu'ils disent. Just make them care more for money than for Christ's kingdom. Faites en sorte qu'ils aient plus de soucis pour l'argent que plutôt pour le succès du royaume de Dieu. Present the world before them. Présentez-leur le monde. Just like Satan did with Christ, if you remember. De la même chose que Satan a fait avec Christ, si vous vous souvenez. So that they will love and idolize the world. Afin qu'ils puissent aimer et idolâtrer le monde. We must keep in our ranks all the means of which we can gain control. On doit garder dans nos rangs tous les moyens afin que nous puissions avoir le contrôle. If we put our money and our resources into God's work, si nous plaçons notre monnaie et nos ressources dans l'œuvre de Dieu, we would injure His kingdom. On va injure, what's it mean? Attack, hurt, damage. Nous allons donc endommager son royaume. And that's what He needs to prevent us from doing. Et c'est ce qu'il veut nous empêcher de faire. Cause disturbance, cause confusion. Provoquer la confusion, les perturbations. Destroy love in their ranks. Détruisez l'amour dans leur rang. Discourage them, dishearten them, we hate them. Donc découragez-les, alourdissez leur cœur parce qu'on les hait. For those of them who have got money, pour ceux qui possèdent de l'argent, give them good excuses. So that they don't have to hand the money over to the church. Donnez-leur de bonnes excuses afin qu'ils n'aient pas à donner l'argent à l'église. Control the money so that the ministers don't have enough money. Contrôlez l'argent de sorte que leurs ministres ne possèdent pas suffisamment d'argent. Over and over again, he lays out his attack. Encore et encore, là, il est en train de montrer ses attaques. And he says, even if they give money, make sure that they give it in a complaining way. Et même s'ils donnent de l'argent, assurez-vous qu'ils puissent le donner d'une façon en se plaignant. So this chapter here, donc ce chapitre là, covetousness, qui s'intitule la convoitise, is the way that Satan attacked God's people. Et la façon dont Satan attaque le peuple de Dieu. And what we ended up doing, et ce que nous finissons par faire, is taking our eyes off our mission, et c'est de ne plus regarder notre mission. And ended up focusing upon the world. Et finir par nous focaliser sur les choses du monde. And having cares of this world. Et avoir soin de ce monde. God, Dieu, cannot approve of us. Ne peut pas approuver de nous. When we're covetous or selfish. Lorsque nous sommes égoïstes ou nous avons de la convoitise. And if we could open our eyes to see what Satan is doing. Et si nous pouvions ouvrir nos yeux pour voir ce que fait Satan. How he laughs at us. Comment il se moque de nous, il se rit de nous. We would be surprised. Nous serions surpris. So this whole chapter. Donc tout ce chapitre, la convoitise. And covetousness. Le chapitre de la convoitise. Deals with the attack that Satan gives or brings upon God's people. Traite des attaques que Satan amène au peuple sur le peuple de Dieu.
This word covetousness, ce mot la convoitise, means desiring things that don't belong to you. Ça veut dire désirer des choses qui ne nous appartiennent pas. Or what we might call the love of money. Ou on va l'appeler l'amour de l'argent. Now, if you go and read this full chapter, maintenant, si vous allez que vous lisez le chapitre entier, and you tie this chapter up, et que vous reliez ce chapitre with its historical context beginning in 1850, avec le contexte historique qui a commencé en 1850, you'll see, vous allez voir that this is the time period in which we become Laodicea, que c'est la période durant laquelle nous sommes devenus les Laodicéens. We become Laodicea in 1850. Nous sommes devenus Laodicéens en 1850. At the very time, en même temps, we were supposed to give a message to the world. Au moment même où nous devrions donner un message au monde. Satan attacked the world and he attacked God's church, and he's been very successful. En même temps, il a attaqué à la fois l'Église et le monde d'une façon avec beaucoup de succès. Even though, bien que, his attack upon the world was successful, bien que son attaque sur le monde était remplie de succès, if we had remained firm, si nous étions restés fidèles on this platform, sur cette plateforme, and not entered into Laodicea, et non pas entrés dans la condition laodicéenne, we would have been successful, nous aurons eu plein de succès, given the message to the world, et donné le message au monde, and Christ would have returned a long time ago, et Christ serait déjà revenu depuis bien longtemps. He would have returned before 1888, long before. Il serait revenu même avant 1888, bien avant. But unfortunately, mais malheureusement, we became covetous. Nous sommes devenus remplis de convoitise. We became worldly. Nous sommes devenus mondains. We developed a love for this world more than we have a love for heaven. Et nous avons développé un amour beaucoup plus grand pour le monde que pour le ciel. And that's what this chapter on the shaking is dealing with. Et c'est ce que porte ce chapitre ainsi que le chapitre sur le criblage. The chapter of the shaking. Le chapitre du criblage begins here in 1850. Commence ici en 1850. Where you have God's people, là où on a le peuple de Dieu, standing upon this platform, qui se tient sur cette plateforme, and God gives a message, et Dieu donne un message, the message of Laodicea, un message de Laodicea, explaining to us that we need to repent of what condition we've entered into, en nous disant qu'il nous faut nous repentir de la condition dans laquelle nous sommes entrés, and some people accept and some people reject, et certaines personnes acceptent et d'autres rejettent. Now this condition of Laodicea, maintenant cette condition laodicéenne, is not just about having a love for money. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir un amour pour l'argent. What happened was, ce qui s'est passé c'était, as things went from bad to worse, alors que les choses se sont empirées, we got to the year 1863. Nous sommes arrivés à l'année 1863. And by the time you get to the year 1863, et alors qu'on arrive dans cette année 1863, we begin to, at the highest level in our church, reject all of the truths that we, all the important truths that we had developed in the history before. Au plus haut niveau de notre église, nous avons commencé à rejeter toutes ces vérités que nous avons développées auparavant. We began to develop alliances with the government. On a commencé à développer une licence avec le gouvernement. And the church rapidly went into darkness. Et l'église est entrée rapidement dans les ténèbres. And we've been in this darkness ever since 1863. Et nous sommes dans ces ténèbres depuis donc 1863. As I say, if you go through the chapter of the shaking, et comme je vous l'ai dit, si vous lisez le chapitre du shaking, du criblage, it takes you all the way through. Cela nous emmène jusqu'à. To the Sunday law. Jusqu'à la loi du dimanche. And past. Et plus. To the second advent. Jusqu'au second avènement. This chapter gives you a history all the way through of Adventism. Ce chapitre nous donne une histoire de tout l'adventisme. This message of Laodicea, ce message aux Laodicéens, this condition that we're in, la condition dans laquelle nous nous trouvons, can be understood in a number of different ways. Peut être comprise de différentes façons. We can understand it at a moral level. On peut la comprendre d'un point de vue moral. You're bad, you need to be good. Vous êtes mauvais, il vous faut être bon.
But you can also understand this. Mais vous pouvez également la comprendre. At a prophetic level. À un niveau prophétique. And when you begin to see this. Et quand vous commencez à voir cela. It has far more significance than we realize. Et il y a beaucoup plus de signification que nous le réalisons. You can demonstrate. Vous pouvez démontrer. That from 1863. Qu'à partir de 1863. To 1989. Jusqu'à 1989. Which was the fall of the Soviet Union, qui a été donc la chute de l'Union soviétique, where there was a secret alliance, là où il y a eu une alliance secrète, between the United States and the papacy, entre la papauté et les États-Unis d'Amérique, to destroy Russia, afin de détruire la Russie. The events in 1989 almost reached their complete fulfillment. Les événements de 1989 ont presque atteint leur accomplissement. And the United States and the papacy in this secret alliance. Et les États-Unis et la papauté dans cette alliance secrète. Almost delivered a deadly wound to Russia. Ont presque délivré la blessure mortelle à la Russie. But for various reasons, they were unsuccessful in that event. Mais pour des raisons variées, ils n'ont pas remporté de succès sur cette événement. And for the last 29 years, et durant les 29 dernières années, we've seen this constant struggle between the United States and Russia. Nous voyons donc cette lutte constante entre les États-Unis et la Russie. And that fight, et cette bataille, cette is lutte, the after effects of this struggle here in 1989. Et c'est l'effet qui suit donc 1989. Now, besides all of these external events here, au-delà de ces événements externes, and I've just mentioned one, et j'en ai mentionné qu'un seul, there were internal events in our church. Il y a au sein de notre église des événements internes. And those internal events in our church, et ces événements internes, have paralleled the events that have happened outside in the world. Donc, qui se passent dans notre église sont en parallèle avec les événements extérieurs qui se passent dans le monde. Now I know that you're all familiar with the 1260. Et je sais que vous êtes familier avec les 1260. The 1260 years of papal persecution. Les 1260 de la persécution papale. Where God's church, là où l'église de Dieu, was basically held in prison. Était quasiment maintenu en prison. To the papal church. Dans l'église papale. This is described in Revelation. Et cela est décrit dans l'Apocalypse. Chapter 2, verse 20. Apocalypse 12, le verset 20. And what happened? Et ce qui se passe? Is that the leadership of our church, c'est que les dirigeants, God's church, les dirigeants de l'église de Dieu, surrendered themselves to the papal church. Se sont soumis, se sont abandonnés eux-mêmes à l'église papale. And Revelation 2:20 says. Apocalypse 2:20 nous dit. The leadership allowed Jezebel. Apocalypse 2:20 nous dit que les dirigeants ont permis à Jézabel, l'église papale, to do two things, de faire deux choses. To teach d'enseigner, the children of God, d'enseigner aux enfants de Dieu papal doctrines, des doctrines papales and to seduce them, et de les séduire ou tromper, to accept them and practice them. De les accepter et de les pratiquer. This is what happened in this history. Et voilà ce qui s'est passé dans cette histoire. Now it's no coincidence. Maintenant, il y a aucune coïncidence. That between 1863 and 1989 is 126 years. Que entre 1863 et 1989, il y a 126 années. And 126 years. Et 126 années. Is one tenth. C'est un dixième. Of 1260 years. De 1260 années. You can demonstrate, vous pouvez démontrer, that there's a biblical relationship between these two. Qu'il y a une relation biblique entre ces deux chiffres. Remember, rappelez-vous, this covetousness, cette convoitise, was not just Adventist, ce n'était pas que l'adventisme, beginning to love the world all by themselves, qui commence à aimer le monde par eux-mêmes. This was a satanic attack. C'était une attaque satanique. And he attacks God's people through false doctrine. Et il a attaqué le peuple de Dieu à travers les fausses doctrines. By the time we get to 1863, au moment où on arrive en 1863, we are beginning to imbibe more and more these papal falsehoods in our church. Nous commençons à demeurer de plus en plus sur ces fausses doctrines papales au sein même de l'église. This is not
Sunday keeping. Et là, on ne parle pas donc de l'observation du dimanche. This is not the state of the dead. Là, il ne s'agit pas de l'état des morts. No, it's far more subtle than that. C'est beaucoup plus subtil que cela. And because it's more subtle, it's more dangerous. Et parce que c'est plus subtil, donc c'est beaucoup plus dangereux. This church, cette église, right from its very early roots here, au début de son de ses premières racines même, was raised for one purpose. Cette église à ses commencements a été élevée pour un but, to preach the second advent. De prêcher le second avènement. And we have stopped doing that. Et nous avons cessé de faire cela. We no longer preach the second advent. Nous ne prêchons plus le second retour de Christ. And if we do, et si nous le faisons, we preach it without any full clear understanding of how it's going to be. Nous le prêchons sans avoir une claire compréhension de la façon dont ça va se passer. And the signs that are going to come before the second advent. Sans dire les signes qui et sans savoir les signes qui vont se passer avant cette venue. This is what this Laodicean condition is. Et c'est dans cet état que se trouve Laodicée. It reached from 1850. Et cela a commencé donc en 1850. All the way to 1989. Jusqu'en 1989. In 1989, en 1989, God desired to begin to wake up His church. Dieu a désiré réveiller son église. Just like He began to wake up His church in 1798. Tout comme il a commencé à réveiller son église en 1798. 1798. En 1798. There were two messages that were given that led to the third. Il y a deux messages qui ont été donnés qui ont conduit au troisième message. And in 1989. Et en 1989. Two messages were given. Deux messages ont été donnés. And we're now in the third step of that work. Et maintenant, nous sommes à la troisième étape de cette œuvre. And many of you, et beaucoup d'entre vous, never had an experience, n'ont jamais eu d'expérience, in the message of the first and second angel, sous les messages du premier et deuxième ange. And we're now repeating the history, et maintenant, nous sommes en train de répéter l'histoire, that the Millerites had, que les Millerites ont eu, and that Christ had, et que Christ a eu. They rejected the first. Ils ont rejeté le premier. John the Baptist. Jean-Baptiste. They couldn't be benefited by the second Christ. Ils n'ont pas pu tirer les bienfaits du deuxième, celui de Christ. And when Pentecost came. Et quand Christ, quand la Pentecôte est arrivée. And Christ was about to begin ministering in the sanctuary above, they could not understand. Et quand Christ était sur le point de commencer son ministère céleste, ils n'ont pas été en mesure de le comprendre. The people rejected the first. Les personnes ont rejeté le premier. Couldn't be benefited by the second. Donc elles ne pouvaient pas bénéficier du deuxième. Rejected the midnight cry. Elles ont rejeté le cri de minuit. And they could not enter with Christ into the most holy place. Et elles n'ont pas pu entrer avec Christ dans le lieu très saint. We're all Adventists. Nous sommes tous des Adventistes. And you know as well as I, et vous savez autant que moi, that Christ is about to leave. Que Christ est sur le point de quitter. The sanctuary in heaven. De quitter le sanctuaire céleste. He's about to close the ministry there. Il est sur le point de terminer son ministère. And the only way you're going to be benefited by that. Et la seule façon de tirer avantage de cela. Is if you understand and accept the first. C'est si vous comprenez et acceptez le premier. So that you can be benefited by the second. Afin que vous puissiez tirer les avantages du deuxième. And as the loud cry begins. Et quand le grand cri commencera. It will lead you. Cela va vous conduire. To understand. De comprendre. Comprendre what Christ is doing in the closing work. Ce que Christ va faire dans l'œuvre finale. The messages that we teach. Le message que nous enseignons. Explain in detail. Explique en détail. The history of 1989 to the Sunday law to the second advent. Explique en détail le message, les événements de 1989 à la loi du dimanche jusqu'au second advent. The struggle between the United States and Russia. La lutte entre les États-Unis et la Russie. That initially brought down the collapse of the Soviet Union. Qui a initié donc la chute de l'URSS. It's only the beginning of the work. Ce n'est que le commencement de l'œuvre. The work of the first angel. L'œuvre du premier ange. And many people in our church have rejected these truths. Et beaucoup de personnes dans notre église ont rejeté cette vérité. The work of the second angel has already begun. Et l'œuvre du deuxième ange a déjà commencé. Began in 2001. Il a commencé en 2001. When the work of radical Islam. Avec l'œuvre de l'islam radical. Began to shape world history. Quand l'islam radical a commencé à secouer l'histoire du monde. And our church. Et notre église. Has officially, a officiellement, publiquement. Rejected those truths. Rejeté cette vérité. We are now in a place where we have rejected the first. Nous sommes maintenant dans une position où nous avons rejeté le premier.
We cannot be benefited by the second. Nous ne pouvons pas tirer avantage du deuxième. The midnight cry is about to begin. Le cri de minuit est sur le point de commencer. In fact, it's already begun. Déjà, il a commencé. And it's escalating. Et il escalade. And the church et l'église can no longer be benefited by that work. Ne peut plus être tirer des bénéfices de cette œuvre. Christ is already. Christ est déjà prêt. In the business of judging those who are alive. Sur le point de juger ceux qui sont en vie. Our church has gone so far. Mais notre église a déjà été tellement loin. That they will not be benefited by that. Qu'elle ne pourra pas bénéficier de cela. Every single one of us. Chacun d'entre nous. Has to make a decision. Doit prendre une décision. For ourselves. Pour lui-même. Whether we'll follow policy. Soit nous suivons les politiques. Or precept. Ou bien des préceptes. Whether we're willing to go. Soit nous sommes consentants à aller and accept the message to Laodicea, et accepter le message adressé à Laodicée that we have been under a satanic delusion, que nous sommes sous une tromperie satanique, our church has been in captivity, que notre église est en captivité, holding on to false papal doctrines, se maintenant sur des fausses doctrines papales that have systematically destroyed our understanding of prophecy, qui a systématiquement détruit leur compréhension de la prophétie. So that we no longer understand the role of the United States, maintenant nous ne comprenons plus le rôle des États-Unis, of Russia, de la Russie, of Islam, de l'islam, of the United Nations, des Nations Unies. Because that's where we are today. Parce que c'est là où nous sommes aujourd'hui. And because we don't understand those things. Et parce que nous ne comprenons pas ces choses. The only thing you'll ever hear in our church. Les seules choses que vous allez entendre dans nos églises. Are the activities of the Pope. C'est les activités du Pape. Or wars and rumors of wars. Ou les bruits de guerre ou les rumeurs de guerre. And that line of investigation. Et cette ligne d'investigation. Will not bring you to a place. Ne va pas vous conduire dans un endroit. Of accepting the truth of the last days. Pour accepter les vérités des derniers jours. I want to encourage every single one of us here. Et j'aimerais vous encourager tout un chacun ici. To read early writings. De lire premiers écrits. To see how Satan. Pour voir de quelle façon Satan. After we'd established his firm platform. Après que cette plateforme solide a été établie. Has systematically. De façon systématique. Brought this church into a place. A emmené cette église dans un endroit where we will not accept the testimony of the true witness. Où nous n'acceptons plus le témoignage du véritable témoin. There's a warfare that's going in our church. Il y a une lutte qui a lieu maintenant dans notre église. It's between those who teach this message. C'est entre ceux qui enseignent ce message. And those who reject. Et ceux qui rejettent. And that shaking. Et ce criblage. Is what's being brought to view. Et ce qui est présenté. In the passages that we've read. This afternoon. Dans les passages que nous avons lus cet après-midi. There are two groups. Il y a deux groupes. Those who have accepted the third angel's message and those who reject. Ceux qui ont accepté le message du troisième ange et ceux qui l'ont rejeté. We're coming to a place. Nous arrivons à un endroit. Where this group. Où ce groupe. Which is the vast majority of Adventism. Qui est la grande majorité de l'adventisme. Is going to be enveloped in darkness and swept away. Va être enveloppé par les ténèbres et va être balayé. At the Sunday law. À la loi du dimanche. But before that event, mais avant cet événement, a message is going to be given to them. Un message leur sera donné. This message. Ce message. The message of the third angel. Le message du troisième ange. The message to Laodicea. Le message à Laodicée. For you and I. Pour vous et moi. To repent. Pour que nous puissions nous repentir. To recognize. Pour reconnaître. What Satan has done to God's church. Ce que Satan a fait à l'église de Dieu. And begin to study for ourselves. Et commencer à étudier pour nous-mêmes. So that we might understand. Afin que nous puissions comprendre. Not only what has happened to our church. Non pas seulement ce qui se passe dans notre église. But what's happening in the world today. Mais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. So that you can make a preparation not only for yourself. Afin que vous puissiez faire une préparation non seulement pour vous-même. But also for your family. Mais aussi pour votre famille. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père céleste, we ask and pray that you would be with us. Nous te demandons d'être avec nous. Father, it's always difficult. Seigneur, c'est toujours difficile. When
truths of a provocative nature are given. Quand des vérités de nature provocante sont données. Some people find it so hard to believe they just reject. Les personnes, certaines personnes trouvent tellement difficile à croire cela qu'elles le rejettent. Other people feel under conviction that there may be truth. D'autres personnes sont sous la conviction que ça pourrait être vrai. And Satan quickly comes and snatches away those convictions. Et Satan vient rapidement pour balayer ses convictions. Lord, it's my hope and prayer. Seigneur, c'est ma prière et mon espoir. That your Holy Spirit would be amongst us. Que ton Saint-Esprit puisse être parmi nous. That the words that have been spoken. Que les paroles qui ont été prononcées. Might touch the hearts of your people. Puissent toucher le cœur de ton peuple. And you might bring conviction to them. Et que tu puisses leur donner la conviction. Lord, our lives are wrecked. Nos vies sont misérables. Many of our personal lives are broken. Beaucoup de nos vies personnelles sont brisées. Our relationships are dysfunctional. Nos relations ne fonctionnent pas bien. Many of us have no interest in Bible study. Beaucoup d'entre nous n'ont pas d'intérêt dans l'étude biblique. We go to church through habit. Nous allons à l'église par habitude. And we feel lost and in despair. Et nous nous trouvons perdus et désespérés. With little to no hope. Nous vivons sans espérance. Please help us. Aide-nous, s'il te plaît. Help us to begin to study your word. Aide-nous à commencer à étudier ta parole. With a purpose and direction. Avec un but et une direction. That will bring healing and restoration to our lives. Qui va emmener de la restauration et de la guérison dans nos vies. Help us to understand. Aide-nous à comprendre. The message to Laodicea. Le message à Laodicée. The third angel's message. Le troisième message. And begin to allow it to do its healing work upon us. Et qui commence à faire son œuvre de guérison sur nous. We have so little time. Il nous reste que très peu de temps. Before probation closes. Avant la fin de la probation. And our names are called up. Et nos noms sont appelés. In the few remaining moments that we have. Dans le très court laps de temps qui nous reste. Of probationary time. De la probation. May we each make a decision to change and serve you. Que chacun puisse prendre la décision de te changer, de changer et de te servir. This is our prayer in Jesus' name. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Can you explain the? Tu peux répéter, s'il te plaît. Je voulais qu'il précise ou rappelle. Ce qui s'est passé en 1863, il a mentionné l'alliance avec le gouvernement. So can you remind us what's happened in 1863? We mentioned the covenant with the government. In the year 1861. Maurice, tu enregistres. Dans l'année 1861. The Civil War began in the United States. Donc la guerre civile a commencé aux États-Unis. It ended in 65. Ça s'est fini en 65. And this war. Et cette bataille. Was a subject of Bible prophecy. A été un sujet de la prophétie biblique. It had been prefigured. Cela a été thousands of years before. Ça a été préfiguré des milliers d'années auparavant. During that history. Durant cette histoire. I don't know what you call it in French, but there was a draft where you have forced conscription. Je sais pas. Il y avait quoi? The government forces all the young men to join the army. Okay, en fin de compte, c'est comme un décret. It's like a decree, a law. Yeah. C'est comme une loi pour que les jeunes puissent aller à l'armée. And this conscription. Et cette loi, on va dire. Required that all young, able men were to join the army. Demandait à ce que les jeunes hommes puissent rejoindre l'armée. Adventists tried to resist this. Les adventistes ont essayé de résister à cela. On the grounds that they were Christian. Avec l'explication qu'ils étaient donc chrétiens. And because the government didn't recognize us as a church. Et comme le gouvernement ne nous avait pas reconnus comme en tant qu'église. We had to incorporate. On a dû donc incorporer. And become a legal entity in the sight of the government. Et devenir donc une entité légale aux yeux du gouvernement. The same time. En même temps. There were accusations of
people abusing or using money for their own purposes. Il y a eu des accusations sur des personnes qui utilisaient l'argent pour leur propre cause. And this was another reason why we became incorporated as a church. Et c'est aussi une autre raison pour laquelle nous avons été incorporés en tant qu'église. So this is this alliance that we entered into with the church, with the government. Sorry. C'est cette alliance que nous avons contractée avec le gouvernement. It's to resist conscription. C'est pour résister donc aux lois, on va dire. And it's also done under the pretext of protecting church funds. Et c'est aussi fait dans le prétexte de protéger les fonds de l'Église. So it all looks good on the surface. En surface, ça semble bien. But it's been the cause of many problems since then. Mais ça a été la cause de beaucoup de problèmes depuis lors. Okay. Oui, question. Alors, vous avez dit qu'en 1850. So you said that in 1850. Il était question de démarrer l'évangélisation après cette période entre 1840 et 1850. So from 1850, we were supposed to do evangelism. D'accord. Donc s'ensuivit toute cette période de laodicienne jusqu'en 1989. And after we have the time period of Laodicea until 1989, où le message du deuxième ange est prêché, where the second angel is preached, message où le peuple de Dieu est appelé à se préparer. Et donc ma question est-ce que l'évangélisation dans le terme où ça a été employé en 1850 prend une autre tournure? Est-ce que est-ce qu'on arrête d'évangéliser le monde et que cela reprendra au grand cri? So from 1989, have we got another concept of evangelism, and shall we start again? I don't understand what you're saying. Okay, so in fact, is it possible? Je vais résumer ta question. Hein. Est-il possible de faire de l'évangélisation à partir de 1989 ou au grand cri? C'est ça? Ou doit-on attendre le grand cri? Pour résumer, c'est ça? Ok, merci. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit oui, Manuela. Est-ce que j'arrête d'évangéliser à partir de 1989 pour me préparer? Ok, j'avais bien compris la question. Que le peuple de Dieu se prépare? Oui, j'ai compris, ok. So, from 1989, shall we do evangelization, shall we stop public evangelism because we have to prepare? And shall we wait until the loud cry? It will restart during the loud cry period. So, who's asking the question? C'est la dame au fond. Obviously, that question wasn't related to our study. Donc, évidemment, là, cette question n'est pas en lien avec notre étude. But I'll address the question. Mais je vais aborder la question. Do you feel that the question was part of the study, or is it a separate question? Penses-tu que cette question fait partie de l'étude, ou est-ce une question séparée? Je ne sais trop rien, c'est parce que je vois sur la ligne. She doesn't know, but on the line she can see. Qu'en 1850, le peuple était appelé à évangéliser. In 1850, God's people were called to do evangelism. Donc, comme il y a l'étape de 1989 où le peuple est appelé à se préparer. As in 1989, God's people is called to prepare. Est-ce une étape où, comme les disciples,
on est appelé à se préparer et à attendre une autre étape pour So as is it a step as a disciple shall we be prepared and after wait for a second step to do evangelism. So your question. Ta question. Depending upon who you asked. Tout dépend à qui tu poses la question. Would be answered or approached in different ways. Sera abordé ou répondu de différentes façons. So if a person was going to view. Si la vue d'une personne. Prophecy. Si une personne voit les prophéties in a linear fashion, d'une façon linéaire, then the answer to your question, donc la réponse à ta question would be that we're supposed to do public evangelism all the way through to the very end without a pause. Sera donc de faire de l'évangélisation tout le long sans une pause. Would you agree with that? Es-tu d'accord avec ça? Yes. So it all becomes a subject of how you approach. Alors tout cela est un sujet de la façon dont tu abordes Bible prophecy. La prophétie biblique. Whether you see things in a linear fashion, que tu vois les choses d'une façon linéaire, or ou bien you see things in a different way. Ou tu les vois d'une façon différente. So I wouldn't be able to explain in a detailed way. Je ne serais pas en mesure d'expliquer d'une façon détaillée the proofs of why I see things the way that I do. La preuve qui montre de quelle façon, la raison pour laquelle je vois les choses de cette façon. But what I would say is the following. Mais ce que je dirais, c'est ce qui suit. Is the history? Est-ce que l'histoire? Biblical history. Est-ce que l'histoire biblique? Needs to be understood through typology. Doit être comprise par les types. I think you'd agree with that. Je crois que tu es d'accord avec ça. Do you agree that things are a type in things in the past are a type of things in the present? Je pense que tu es d'accord avec ça que les choses du passé sont des types des choses qui se passent au présent. Do you agree with that? Tu es d'accord? So, if you were to go say to the history of the Millerites, si tu devais aller et dire que l'histoire des Millerites, what I don't think you're allowed to do, ce que tu n'es pas permis de faire. He's taken event here in the Millerite history. C'est de prendre un événement là qui se passe dans l'histoire des Millerites. And the second event, I call them number one and number two. Et un deuxième événement que je nomme nombre 1 et 2. And if I said that this was a type. Et si je dis que ça c'était un type. And this was the anti-type. Et là c'était l'antitype. I don't think you can do that. Je ne pense pas que tu puisses faire cela. You can't go into a history. Tu ne peux pas aller dans une histoire. And make something at the beginning of the history, a type of something that comes afterwards. De prendre quelque chose au début de l'histoire et dire que c'est un type et que une autre chose dans la même histoire est un antitype. Give you another example. Je te donne un autre exemple. The 7 years, which is what was spoken of in the sermon today. Donc la 70e semaine dont on a parlé dans la prédication aujourd'hui. Daniel chapter 9. Daniel 9. You can't take an event here. Tu ne peux pas prendre un événement qui s'est passé là. And say that this. Et dire que ça. Was the type of this. C'est le type de ça. I don't think you can do that. Je ne pense pas que tu puisses faire ça. There's no evidence that we're allowed to do things like that. Il n'y a aucune preuve qui nous donne l'autorisation de faire cela. But there's an abundant amount of evidence. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'exemples. And I think in all three presentations that have happened today. Everyone's done this. Et par rapport aux trois présentations qui ont eu lieu aujourd'hui, tout le monde a fait cela. And I read it explicitly here. Et je vais l'expliquer là. In the line of Christ. Dans la ligne de Christ. Where you had John. Quand tu as Jean. And Jesus. Et Jésus. Ellen White compared this. Ellen White compare cela. To the Millerites' history. À l'histoire des Millerites. Where you had the first angel and the second angel. Quand on a le premier et deuxième ange.
You read that's how that's what she did. Tu as lu, c'est comme ça qu'elle le fait. So this was a type. Donc ça c'est le type. And this is an anti-type. Ça c'est l'antitype. I don't know if you agree with that. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. So when you do that, quand vous faites cela, and if I take a line, si je prends une ligne, I can't just say that this is Christ. Je peux pas dire que OK, ça c'est Christ. And this is Millerite history. Et ça c'est Millerite. And run it sequentially. Et la parcourir de façon séquentielle. Because what Ellen White does, ce que fait Ellen White, and not only Ellen White, et non seulement Ellen White. All the Bible writers do the same thing over and over again. Tous les écrivains de la Bible font la même chose. They take this, ils prennent cette portion là, and this history, et cette histoire là, and make this the type and anti-type. Ils disent que la première histoire c'est le type et l'autre l'antitype. If you went to Acts chapter 2, si tu vas dans Acte 2, Peter says, Pierre dit, what's happening today? Ce qui se passe aujourd'hui is what? Qu'est-ce que c'est? The fulfillment of what prophecy? C'est l'accomplissement de quelle prophétie? The prophecy of Joel, you know Joel, that. Vous le savez ça, c'est la prophétie so de Joël. Here, ici là, you've got Joel. Vous avez Joël. So what he's done? Ce qu'il fait? He went back to a history here. Il est retourné dans une histoire du passé. Which is the story of Joel. Qui est l'histoire de Joël. And he said this was the type. Il a dit l'histoire de Joël c'est le type. And this is the anti-type. Et ça c'est l'antitype. And you can do this over and over again. Et tu peux le faire ça de nombreuses fois. The simplest one that you know. La plus simple que tu connais. In Matthew 24. C'est dans Matthieu 24. And we read this. Et on l'a lu. Jesus is going to say at the end of the world. Jésus va dire qu'à la fin du monde. I'll just call it the time of the end. Je appelle ça le temps de la fin. This history here. Cette histoire là. Christ says it's what? Que dit Christ? As it was in the days. Comme c'était au jour de. Of Noah. De Noé. So as it was in the days of Noah, comme c'était dans les jours de Noé, so shall it be at the end of the world. Il en sera aussi à la fin du monde. So again, when you go to the story of Noah, de nouveau quand vous allez dans l'histoire de Noé, the beginning of his story is not a type of the end. Le commencement de l'histoire c'est pas un type de la fin. The whole story becomes a type of the end. Toute l'histoire devient un type de la fin. Now you know in the story of Noah, et tu sais que dans l'histoire de Noé, it ends with a flood. Ça se termine avec le déluge. But you also know in Revelation 12, mais tu sais aussi que dans Apocalypse 12, which is about the end of the world, qui parle de la fin du monde, it mentions the same flood there. Il est mentionné le même déluge là. And in Daniel 9, it mentions the same flood. Et aussi dans Daniel 9, il y a un déluge aussi, le so même. You have history after history, donc tu as plusieurs histoires, all talking about a common subject, qui parlent d'un sujet commun. So, when I approach Bible prophecy, donc quand j'aborde la prophétie biblique, I'm going to approach it, je vais l'aborder this way, de cette façon-là, type and anti-type, type et anti-type. I'm not going to approach it this way, je vais pas l'aborder de cette façon-là, just as a linear event, comme des événements linéaires. Now, there's so much evidence for this. Il y a tant de preuves pour cela. People recognize it. Les gens le reconnaissent, but they don't follow through with the implications. Mais ils n'avancent pas avec les implications. So this morning in the Sabbath school, ce matin dans le sabbat, l'école du sabbat, my sister spoke about the scattering and the gathering. Ma sœur a parlé de la dispersion et du rassemblement. And she spoke about the regathering or the second gathering. Où elle a parlé du deuxième rassemblement. So I would look at that line. On regarde à cette ligne. And I'd have 1798. On met 1798. 1844. 1844. 1850. 1850. You can show. On peut montrer. That in this 1260. Dans les 1260. God's people were scattered. Le peuple de Dieu était dispersé. Then they were gathered. Ensuite ils ont été rassemblés. Then they were scattered. Ensuite ils étaient dispersés. And she says now they're to be gathered. Et maintenant elle dit qu'ils doivent être rassemblés. So you see these repeating patterns. Donc vous voyez ce schéma répétitif.
And that brings us on to another subject of dispensation. Et cela nous emmène dans un autre sujet des dispensations. Which I know you're familiar with. Avec lequel je sais que tu es familier. Because you know about the dispensation of the patriarchs. Parce que tu connais la dispensation des patriarches. Dispensation of Aaron's priesthood. De la dispensation de la prêtrise d'Aaron. Hebrews 7. Hébreux 7. The dispensation of Christ's priesthood, which is Melchizedek's priesthood. La dispensation de Christ, Melchizedek. So you understand about dispensations. Donc tu comprends la dispensation. So when we think about dispensationalism. Donc quand on parle des dispensations. And we think about type and anti-type. Et que nous pensons au type et anti-type. It begins to make you approach Bible prophecy in a way that most Adventists will not approach it. Ça te fait aborder la prophétie biblique d'une façon que la majorité des Adventistes n'aborderont pas. Even though we know about them. Même si nous les connaissons. You know about seven churches. Tu connais les sept églises. And if I were to ask you the first church, Ephesus. Et si je devais te poser la question sur la première église, Éphèse. If I asked you when does it begin. Quand je, si je devais te demander quand est-ce qu'elle commence. You'd have a rough idea. Tu aurais une idée. The simple one you say is in the time of Christ. La première, tu dirais la plus simple, c'est dans l'histoire de Christ. Because now you're making a dispensational application. Parce que maintenant tu fais une application de dispensation. If I said when did Laodicea begin? Si je te dis quand est-ce que Laodicée commence? You'd say. Tu diras. Sometime after 1844. Quelque part après 1844. Because you're making it dispensational. Parce que tu le fais être une dispensation. So every Adventist, whether they realize it or not, understands about dispensationalism. Chaque Adventiste, qu'il le réalise ou pas, comprend les dispensations. And they understand. Et également, ils comprennent. About typology. Les types. So it all hinges upon whether or not we're going to have a comprehensive, holistic view. C'est soit ça dépend du fait que soit nous aurons une vue compréhensible. Of how we approach Bible prophecy. Sur la façon d'aborder la prophétie biblique. So. Even though your question, donc même si ta question appears to be like going down the dead end, semble arriver à un point mort, because you've got the book Evangelism, parce que tu as le livre Évangélisation, which is over 2.5 centimeters thick, qui est une épaisseur de 2.5 cm. And there's no indication that we should ever stop evangelizing. Et dans ce livre ne se trouve aucune indication ou qui nous dirait d'arrêter l'évangélisation. The question we have to ask ourselves. La question qu'il nous faut nous poser nous-mêmes. Is how do we approach inspiration? C'est de quelle façon nous abordons l'inspiration? Do we just approach it? Est-ce qu'on l'aborde? In some ad hoc fashion. D'une façon random. Au hasard. Or do we approach it systematically? Où on l'aborde de façon systématique. Using rules and methodology. En utilisant des règles et de la méthodologie. I think it's the latter. Je pense que c'est la dernière façon. And at least two rules. Et au moins il y a deux règles là. Typology and dispensationalism. C'est la typologie et les dispensations. Which I know you agree on. Et je sais que tu es d'accord avec cela. Because every Adventist agrees on typology and dispensation. Parce que tous les Adventistes sont d'accord sur la typologie ou les dispensations. But where we disagree. Mais là où nous sommes en désaccord. Is when we get inspiration. C'est quand nous abordons l'inspiration. Even if it's a book. Même si c'est un livre. How will we approach that? Comment nous allons aborder cela? So, donc, most Adventists, la plupart des Adventistes, are going to take the book Evangelism, vont prendre le livre Évangélisation, which is just a compilation, qui est juste une compilation. So you go from 1844, et on va partir de 1844, and you go to the second Advent, et on ira jusqu'à la seconde venue de Christ. They're going to say, et ils vont dire, all of Ellen White's Council, tous les conseils d'Ellen White on evangelism, sur l'évangélisation, begins here and runs all the way through. Commence en 1844 et parcourt tout le long. And what they're now doing, et ce qu'ils font maintenant, is taking inspiration, c'est qu'ils prennent l'inspiration, out of the framework, en dehors du cadre de la prophétie, because prophecy, parce que la prophétie, is taking events and putting them on a waymark, c'est de prendre des événements et de les mettre sur des putting upon a line, une ligne, ouais,
and representing them as waymarks. Et les représenter comme des balises. So my question to you would be. Donc ma question à toi serait. I'm not asking you to answer it. Je te pose pas la question pour que tu puisses y répondre. Is how would you approach? C'est comment aborderais-tu? Any prophetic instruction. Une quelque instruction prophétique. Any moral instruction. Quelque instruction morale. If God told you to do anything. Si Dieu t'a dit de faire quelque chose. Would you approach it? Est-ce que tu vas l'aborder? Just in some random fashion or using some rules. D'une façon hasardeuse ou bien tu vas utiliser des règles. And I'm saying. Et je dis. According to my understanding. Selon ma compréhension. It should follow some rules. Ça devrait suivre des règles. So, if you accept that, si tu acceptes cela, if you accept the logic, si you don't have to agree with the logic. Tu n'es pas en, si tu acceptes la logique, sans, tu n'es pas obligé de l'être. I'm saying this. Voilà ce que je dis. This is 27. Là, c'est l'an 27. And this is 34. Là, c'est 34. All the way back here. Tout le long là. For thousands of years, pendant des milliers d'années. Maybe hundreds of years, peut-être des centaines d'années. God's people were supposed to be doing public evangelism. Le peuple de Dieu était censé faire de l'évangélisation publique. So we won't go back thousands of years. On ne va pas retourner à des milliers d'années. We'll go back 500 years. On remonte à 500 ans. Approximately. Environ. Now, before this, avant cela. They were supposed to be doing evangelism. Ils étaient censés faire de l'évangélisation. Then they were supposed to be doing evangelism. Et là aussi. In this history here, dans cette histoire-là, they didn't do any evangelism. Ils ont fait aucune évangélisation. They shut the doors and they refused. Ils ont fermé la porte et ils ont refusé de la faire. So God forced them to do public evangelism. Donc Dieu les a contraints à le faire. The history of that public evangelism. Et cette histoire de l'évangélisation publique. Is the 70-year captivity in Babylon. C'est la captivité de 70 ans à Babylone. Because that's what they were doing. They had to go out and preach to the Babylonians who God was. Parce que c'est ce qu'ils devaient faire, aller à Babylone et prêcher qui était Dieu aux Babyloniens. When they came back, quand ils sont revenus, they were meant to carry on. Ils devaient continuer. But they don't. Mais ils ne l'ont pas fait. And so for all this time period, they become an insular nation. Insular. Ils sont devenus une nation insulaire. And so God knows. Donc Dieu savait. If they don't sort themselves out, he has to destroy them. Que s'ils ne devaient pas faire quelque chose, ils devaient les détruire. So we come to the history of Christ. On est arrivé donc à l'histoire de Christ. And if I read to you from Matthew 23. Et si je lis à partir de Matthieu 23. This is the results of public evangelism in this history. Voici le résultat de l'évangélisation publique dans cette histoire. Yeah. I'll just find the verse. God's church, l'église de Dieu, has become so corrupted here. Est devenue si corrompue là. That they're no longer fit to do the work that he gave them. Qu'ils ne sont plus aptes à faire l'œuvre qu'il leur avait confiée. Because over this history. Parce que toute cette histoire. They've gone into a relationship with the world. Parce que durant toute cette histoire, ils sont entrés dans une relation avec le monde. I assume that most of us have a vague understanding of the history. Et je pense que la majorité d'entre nous ont une vague compréhension de cette histoire. That after Alexander the Great. Après Alexandre le Grand. God's church went into an alliance with the Greeks. L'église de Dieu est entrée en alliance avec les Grecs. Not some military alliance. Ce n'est pas une alliance militaire. Into an educational alliance. Mais sur le plan éducatif. And they allowed scholars to go back and forth. Et ils ont permis que des érudits puissent aller et sortir. And essentially the church became worldly. They began to imbibe Grecian philosophies. Et l'Église est devenue mondaine, elle a pris des philosophies grecques.
That's well recorded even in secular history. Et cela est enregistré même dans les sources séculières. God has to clean his house here. Dieu devait donc purifier son église là. And you know, et tu sais, that the cleanup operation, que le processus de purification is being typified, est typifié by the two temple cleansings. Par les deux purifications de temple. But in Matthew 23, verse 15, mais Matthieu 23, 15, we'll read that. On nous dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un enfant de l'enfer deux fois plus que vous. » Verse 16. Le verset 16, « Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, quiconque jurera... » So, these leaders, the blind guides, donc ces leaders, ce sont des guides aveugles. According to Matthew 3:7, selon Matthieu 3:7, Luke 3:7, Luke 3:7, they're the sons of Satan. Ce sont donc les fils de Satan. This is the leadership of God's church. Et là, il s'agit des dirigeants de l'Église de Dieu. And he reinforces the point here. Et il renforce le point ici là. In 31. En l'an 31. That's when this is occurring. C'est là où cela se passe. He says, when you do public evangelism, et il dit, si vous faites l'évangélisation publique, you make those people, vous rendez ces gens-là twice the sons of Satan than you are. Deux fois plus le fils de Satan que vous ne l'êtes, vous. So we know whatever evangelism they're doing in this history, donc nous savons que quelle que soit l'évangélisation qu'ils vont faire dans cette histoire, is not being blessed by God. Cette évangélisation n'est pas bénie de Dieu. Because God isn't blessing his people. Parce que Dieu n'a pas béni son peuple. He's at the point where he's trying to clean up his church. Il est au point où il va purifier son église. And how does he clean his church up? Et comment purifie-t-il son église? Through these messages, par ces messages, through the work of John, par l'œuvre de Jean, and you know, et vous savez, that there was a power struggle between John and the leadership of the church. Qu'il y a donc une lutte entre Jean et les dirigeants de l'église. Because they rejected his movement, his message. Parce qu'ils ont rejeté son message, son mouvement. So you get this separation that's going on. Donc il y a déjà cette séparation là qui est en cours. And you know that's the story of Ephesus. Et vous savez que là il s'agit de l'histoire d'Éphèse. Paul tells us. Paul nous dit. That not all of Israel is really Israel. Que ce n'est pas tout Israël qui est réellement Israël. What does he mean by that? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? He means, il veut dire, the structure, que la structure, Laodicea, Laodicée, and et Ephesus, et Éphèse, the New Testament church. L'église du Nouveau Testament. If you read Galatians 4, si tu lis Galates 4, the same story. La même histoire. The church, l'église, is Jerusalem on earth, et Jérusalem en terre, sur terre, because they got earthly sanctuary, parce qu'ils ont un sanctuaire terrestre, and you got the New Jerusalem. Et vous avez la Nouvelle Jérusalem. The New Testament church. L'église du Nouveau Testament. Because their sanctuary is in heaven. Et leur sanctuaire est au ciel. So there's this struggle that's going on. Il y a cette lutte là qui a lieu. In Matthew 10. Dans Matthieu 10. Verses 5 and 6. 5 et 6. You have the same story there. Vous avez là la même histoire. Jesus tells his disciples not to go to the Gentiles. Jésus dit à ses disciples de ne pas aller vers les gentils. Verse 5 and 6. Jésus envoya ces douze-là et leur commanda, disant, « N'allez pas sur le chemin des gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » So, we can Matthieu clearly see there. Matthieu 10, 5 et 6. And Ellen White reinforces this point over and over again. Et Ellen White souligne ce point encore et encore. That the gospel goes to the Gentiles in 34. Que l'évangile a été vers les gentils en l'an 34. She says Cornelius was the first fruit. Et elle dit Corneille c'était le premier fruit. She divides the 2300 days 490, 1810. Et elle a divisé les 2300 en 490 et 1810. So you're familiar with all of that. Donc tu es familier avec tout cela. So the question is, donc la question c'est, when you come into our history, you start looking at looking at it like this. Quand tu regardes à notre histoire, est-ce que tu la regardes comme cela? Do we take Ellen White's comments? Est-ce que nous prenons le commentaire d'Ellen White? That she makes here. Qu'elle fait là. And do we apply that all the way to the second advent? Est-ce qu'on applique cela jusque au deuxième retour? Or, ou bien, do we factor in dispensationalism? Ou est-ce qu'on le met sous les dispensations? And then type
Et sous les types. An anti-type. Et anti-type. It's about our approach to the inspired word of God. C'est tout cela se joue sur l'approche de notre de la parole inspirée de Dieu. We both agree what the word say. Nous sommes tous d'accord sur ce que le monde dit. It's how we approach the words. Sur ce que la parole dit, c'est la façon dont on aborde la parole. And then how we apply them. Et comment on l'applique. So my approach. Donc mon approche. Is to take the line of Christ. C'est de prendre donc la ligne de Christ. Here. Ici là. See what Christ is teaching us. Voir ce que Christ nous enseigne dans cette ligne. See how Ellen White applies that history. Comment Ellen White applique cette histoire. And we already read. Et nous avons déjà lu. She takes the first. Elle prend le premier. And the second angel. Et le deuxième ange. And applies them to Millerite history. Et elle l'applique dans l'histoire des Millerites. And then she applies Millerite history. Et ensuite elle applique l'histoire des Millerites. To the history of the 144,000. Dans l'histoire des 144,000. So what I'm doing. Ce que je suis en train de faire. Is taking these types. C'est que je prends ces types. And seeing how we would apply them at the end of the world. Et pour voir comment les appliquer à la fin du monde. And that's the approach for evangelism. Et c'est la même approche pour l'évangélisation. I don't think it's helpful. Je pense pas que cela aide. Or effective. Ou bien efficace. Once you know. Quand tu sais. Once you have information. Quand tu as déjà des informations. Of bringing people into this church. D'emmener des gens dans cette église. When our church teaches. Quand nos églises enseignent. So many errors, so many papal errors. Autant d'erreurs papales. Like. We don't understand when the Sunday law is. On ne comprend pas quand est-ce que la loi du dimanche aura lieu. We don't believe that you can overcome sin. On ne croit pas qu'on peut remporter la victoire sur le péché. We don't understand about the nature of Christ. On ne comprend pas la nature de Christ. We don't understand his ministration in heaven. On ne comprend pas son ministère dans le ciel. When you start factoring in these components, quand on met tout cela, on prend tous ces éléments, we begin to see, I think, et je pense que l'on commence à voir our church is still in captivity to Babylon. Que notre église est encore en captivité dans Babylone. And we need to come out of that. Et il nous faut sortir de cela. So, this approach of type and anti-type is a lot more sophisticated than I've just indicated. Donc cette approche des types et anti-types est beaucoup plus sophistiquée que ce que je viens de montrer là. There's a lot more evidence for it than I've given. Il y a beaucoup plus de preuves que ce que je viens de donner. But it's about the approach. Mais tout porte sur l'approche. Of how we're going to understand what Ellen White meant and what she didn't mean. Sur comment on va comprendre ce qu'Ellen White dit ou ne dit pas. I'll give you one more example. Un dernier exemple, je te donne. Ellen White says. Ellen White dit. We won't know when the judgment of the living begins. Nous ne saurons pas quand est-ce que le jugement des vivants va commencer. Now, if you approach her writings. Si tu abordes ses écrits. She'll indicate that the judgment of the living is here at the Sunday law. Elle va te dire que le jugement des vivants c'est là à la loi du dimanche. So she's saying we don't know when the Sunday law is. Donc ça veut dire qu'elle est en train de dire qu'on ne sait pas quand est-ce qu'aura lieu la loi du dimanche. I'm saying. Et moi je dis. Of course we don't know when you're in this history. Bien sûr que nous ne savons pas si nous nous trouvons dans cette histoire. Because the church is in darkness. Parce que l'église est dans les ténèbres. But God's not going to do anything without first telling us. Mais Dieu ne va rien faire sans nous dire par ses prophètes. So before we get to the Sunday law, we will know that we're approaching the event. We have to know. Donc avant d'arriver à la loi du dimanche, nous saurons ce que nous y approchons. On doit le savoir. Which stands in opposition to a spirit of prophecy quote. Donc là, on est en opposition directe avec la citation de l'esprit de prophétie. My understanding is. Ma compréhension, c'est the que. The only way you can reconcile that. La seule façon où tu peux réconcilier cela. Is we know that there was a gathering there. Nous savons que là, il y a eu un rassemblement. But in 1863. Mais en 63. We're now in a scattering. Nous sommes dans la dispersion. And in this scattering. Et dans cette dispersion. Where Ellen White says. Quand Ellen White dit. You do not know. Tu ne sais pas. In the scattering, we don't.
dans la dispersion, nous ne savons pas. But in 1989, mais en 1989, God begins to regather his people. Dieu commence à rassembler de nouveau son peuple. And now we know, et maintenant, nous savons. I'm not saying we know the date, je ne dis pas que nous savons la date. But we can start tracking the events and we know that it's going to be soon. Nous pouvons tracer les événements et nous savons que ça sera bientôt. Ask anybody who goes to... who's a regular Adventist. Pose la question à n'importe quel adventiste régulier. Are we near the end of the world? They'll say yes. Est-ce que nous approchons de la fin du monde? Ils vont te dire oui. You say, how do you know? Il va te dire, mais comment tu le sais? And they don't. Mais en fin de compte, ils ne pourront pas te l'expliquer. All they'll say is the environment is bad, the papacy is doing a lot of work. Tout ce qu'ils vont te dire, c'est que l'environnement n'est pas bien, la papauté fait beaucoup de choses. There was a big earthquake a few years ago. Il y a quelques années, il y a eu un grand tremblement de terre. Look at all the wars. Regarde toutes les guerres. Look at marriages collapsing. Regarde comment les mariages s'effondrent. These are indefinite signs. Ce sont des signes indéfinis. That have been happening for a long time. Que ça se passe depuis longtemps. God has always given definite signs. Dieu nous a toujours donné des signes bien précis. John begins his ministry in the 15th year of Tiberius Caesar. John a commencé son ministère dans l'année 15, dans la 15e année de Tibère. It's specific. Il est très précis. I'm saying. Je dis. We're going to have specific events, specific waymarks that will lead us to the Sunday law. Je dis que nous aurons des balises spécifiques qui nous conduiront donc à la loi du dimanche. One of the easiest ones to see is this. La plus facile à voir, c'est 1989. Once you see this, quand tu vois cela, we're in a new dispensation where he's gathering his people because he scattered us. Nous sommes dans une nouvelle dispensation où il rassemble son peuple parce qu'avant il était dispersé. And in this gathering, et dans ce rassemblement, every time you see in the Bible, chaque fois que tu vois dans la Bible, whether it's the Millerites, que ce soit les Millerites, or it's the Christ line, ou la ligne de Christ, you see one consistent idea. Vous voyez une idée consistante. The judgment first begins in the house of God. Que le jugement commence premièrement par la maison de Dieu. And then moves to the world. Et ensuite avance vers le monde. And that's why we teach. Et c'est pour ça que nous enseignons. That it's ineffective. Que c'est pas effectif. To bring people into a church that's dying. D'emmener dans notre église des personnes, dans notre église mourante des personnes. And not only dying, it's about to be destroyed. Mais non seulement notre église qui est mourante, mais qui est sur le point d'être détruite. I'm sure you believe. Je suis sûr que tu crois. Upon the testimony of two, a thing is established. Que sur le témoignage de deux, une chose est établie. Jérusalem was destroyed in the history of Nebuchadnezzar. A été détruite dans l'histoire de Nebuchadnezzar. Here. Là. Jerusalem was destroyed again. Jérusalem a été détruite encore. In AD 70. En l'an 70. Jerusalem is a symbol of God's church. Jérusalem est le symbole de l'église de Dieu. At the end of the world, à la fin du monde, Jerusalem's going to be destroyed. Jérusalem va être détruite. But a remnant will be saved. Mais un reste sera sauvé. And that remnant, et ce reste, is Ephesus. C'est Éphèse. Just like Paul. Tout comme Paul. And if you go to Colossians 1:23, et si tu vas dans Colossiens 1:23, you know, tu sais, that between AD 34 and AD 70, qu'entre l'an 37 et 70, that the gospel was taken to the whole world. Que le l'évangile a été dans le monde entier. Which is the mission that the church refused to do. Et c'est la mission que l'église a refusé de faire. And when they tried, they made those people devil worshippers like themselves. Et quand elle a essayé de le faire, elle a rendu ces gens deux fois pire que. So if you read the second half of the verse. 23. Second half of the verse. Okay. Et qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, je suis fait ministre. The gospel was taken to the whole world. L'évangile a été emmené dans le monde entier. In this history. Dans cette histoire. Almost single-handed by this man. Quasiment par la main de cet homme. And it was not the conference structure that did that work. Et ce n'est pas l'église, la conférence, la structure de l'église qui l'a faite. It was Ephesus or the remnant. C'était Éphèse ou le reste. When you go back to the history here. Quand tu retournes dans l'histoire là. Wasn't the conference that was doing that work.
Ce n'est pas la conférence qui faisait cette œuvre. It was Daniel, Ezekiel. C'était Daniel, Ezekiel. Normal men. Des hommes normaux. It's a repeating story. C'est des histoires qui se répètent. The Millerite history wasn't the leading men, it was the lay people. Dans l'histoire des Millerites, ce n'étaient pas les hommes dirigeants, c'était les laïcs. So, all I understand. Donc tout ce que je comprends. And I know many people disagree. Et je sais que beaucoup de personnes sont en désaccord. That from 1989. C'est que depuis 1989. Before we can go out to the world. Avant de pouvoir aller vers le monde. We need to give them a gospel that has saved us. Il faut leur donner, il faut qu'on leur donne un évangile qui nous sauve nous. Now you may have heard. Et peut-être que tu as entendu. That this public evangelism begins at the Sunday law. Que cette évangélisation publique commence à la loi du dimanche. But that is not a correct representation of what we teach. Mais ce n'est pas une représentation correcte de ce que nous enseignons. The contact that we have with the world. Le contact que nous avons avec le monde. Has already begun. A déjà commencé. But our evangelism, mais notre évangélisation, the contact that we're having with the world, le contact que nous avons avec le monde, is not what Adventists normally consider evangelism to be. Ce n'est pas la façon dont l'adventiste considère l'évangélisation. The world is being touched. Le monde est déjà touché by the events that are happening. Par les événements qui se passent. The stones, la pierre, the newspapers, the TVs are crying out. Les journaux, la télé crient. And the Gentiles are being woken up. Et les gentils commencent à être réveillés. Long before the Sunday law. Bien avant la loi du dimanche. There's going to be a major conflict in our church. Il va y avoir un conflit important dans notre église. Just like there was. Tout comme cela l'a été. In the history of Christ. Dans l'histoire de Christ. Where Judas. Quand Judas. Joined with the conference structure. A rejoint la structure de la conférence. And put Jesus on trial. Et a mis Jésus à l'épreuve. And when that happened, au tribunal, et quand cela s'est passé, even the Roman government saw that it was not right. Même le gouvernement romain a vu que ce n'était pas juste. And that's going to happen before the Sunday law. Et ça va se passer avant la loi du dimanche. We will become visible to Nous the world. Nous allons devenir visibles aux yeux du monde. If you read Great Controversy, chapter 38, Ellen White's clear on this. Et si tu lis la tragédie des siècles, chapitre 38, Ellen White est claire sur cela. The world will hear the gospel message long before the Sunday law from this movement. Le monde va entendre le message de l'évangile par ce mouvement avant la loi du dimanche. But it's not public evangelism the way the world does it. Mais ce n'est pas donc l'évangélisation publique comme le monde le fait. Making them Seventh-day Adventists, baptize them into a structure. Donc faire quelqu'un devenir adventiste du septième jour, le baptiser, le mettre dans une structure. That is corrupt. Qui est corrompu. And I'm not talking about financial corruption. I'm talking about prophetic corruption. Je ne parle pas de corruption financière, mais prophétique. Our church doesn't know where it's going. Why would we bring people here? Donc notre église ne sait même pas où elle va. Pourquoi y emmener du monde? So maybe that's a longer answer than you're expecting. Bon, peut-être que c'est une réponse plus longue que ce que tu attendais. But it's a common question that many people ask. Mais c'est une réponse ordinaire que beaucoup de personnes posent. And it did help to serve. Et ça ne sert pas. That I could show. Si je peux te montrer how typology works, comment la typologie fonctionne, how dispensationalism works, comment la dispensation fonctionne, and how we should approach all inspiration. Et comment nous devrions aborder toute l'inspiration. Whether it's what we eat, drink, dress, or any relationship we have. Sur les relations que nous avons, sur le manger, le boire, la façon dont on s'habille. That's why we teach. C'est ce que nous enseignons. Don't go out to the world and invite them into the church. N'allez pas dans le monde pour les inviter à entrer dans l'église. You can see that in Matthew 24. Vous pouvez le voir dans Matthieu 24. It says those people who live in the country. Ceux qui vivent dans la ville, country. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dit. Bon, on dit campagne. When you see the army surrounding Jerusalem. Non, tu vois, c'est la ville. Quand vous voyez l'armée qui entoure Jérusalem. Don't let them people come to Jerusalem. Ne laissez pas les gens entrer donc dans Jérusalem. Jerusalem was surrounded by the armies of Rome at 2001. Jérusalem a été entourée par les armées de Rome en 2001. Since then, depuis lors, the Bible says, don't let people come to Jerusalem. Donc la Bible dit, ne laissez pas les gens entrer dans Jérusalem. Jerusalem is about to be destroyed. It's
foolish to bring them in. Jérusalem est sur le point d'être détruit, ça serait fou de les emmener à l'intérieur. Maybe foolish is too strong a word. Peut-être que fou c'est insensé, c'est un mot trop fort. But it's not wise. Mais ce n'est pas sage. Okay. So we finish. We finish. On Let's finit pray. Parce qu'il y a des enfants. Prions. Heavenly Father, Père céleste, we all ask and pray that as brothers and sisters in Christ, nous voudrions te demander en tant que frères et sœurs en Christ, our will would be your will. Que notre volonté soit la tienne. It's your will that we come together. C'est ta volonté que nous venions ensemble. That we press together. Que nous nous mettons ensemble. That we have fellowship together. Que nous ayons des communions ensemble. But today, mais aujourd'hui, we find that there are so many differences between us. Nous trouvons qu'il y a tant de différences entre nous. Causing us pain and heartache. Qui nous donnent des douleurs et des maux de tête. Sometimes these differences reach into families. Parfois, c'est difficile d'atteindre des familles. Lord, I want to ask and pray for everybody kneeled before you. Seigneur, je voudrais te prier pour chaque personne qui est agenouillée devant toi. Whether it's my sister and me. Que ce soit ma sœur et moi. Whether it's a husband and wife. Que ce soit un époux et une épouse. Two brothers. Deux frères. That we would come together. Que nous puissions être unis. That we would work out our differences. Que nous puissions travailler sur nos différences. Study through studying your word. C'est par l'étude de ta parole seule. That we can come to this position. Que nous pouvons atteindre ce but. But each of us must study in the right way. Mais chacun d'entre nous devrions étudier de la bonne façon. May you bring us under conviction. Que tu nous places sous ta conviction. First of all, that we should come together. Premièrement, que nous devrions être ensemble. Secondly, that we should study together. Ensemble. Deuxièmement, que nous devrions étudier ensemble. And we should study in agreement with your will. Et que nous devrions étudier en accord avec ta volonté. We ask for a blessing in Jesus' name. Nous te prions pour ces bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.